Donc, bienvenue au Théâtre de Vidi pour cette rencontre autour de l'œuvre d'André Gorz, organisée en complicité avec l'Université de Lausanne. Je suis Vincent Baudrier, directeur du Théâtre de Vidi, et j'aurais dû vous accueillir ici, au théâtre, où ce débat était organisé en résonance avec la représentation du spectacle Dorine, qui est une adaptation de Lettre à D, Histoire d'un amour d'André Gorz, mise en scène par David Gesselson. Spectacle où David Gesselson joue le rôle d'André Gorz et Laure Mathis joue le rôle de Dorine. Nous sommes néanmoins heureux de vous retrouver sur Zoom pour évoquer et questionner la pensée du philosophe André Gorz, un des précurseurs de la pensée écologique. Participeront à cette rencontre David Gesselson et Laure Mathis, qui vont lire une sélection de textes d'André Gorz pour introduire des sujets qui seront débattus par Dominique Bourg, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, penseur de l'écologie et exécuteur testamentaire d'André Gorz. Également Enzo Le Sourd, docteur en philosophie politique, auteur d'une biographie intellectuelle d'André Gorz intitulée Portrait du philosophe en contrebandier, l'écologie politique comme reconquête du sujet. Et également Antoine Chollet, enseignant et chercheur en pensée politique à l'Université de Lausanne, organisateur en 2017 d'un séminaire sur l'œuvre et la pensée d'André Gorz. Antoine Chollet qui animera la rencontre. Pendant cette rencontre, vous pouvez réagir et poser des questions en utilisant le bouton Questions-réponses QR en bas de votre écran. Et pour prolonger ce débat, vous pouvez aller sur notre site pour retrouver les liens qui vous permettront de voir la captation du spectacle Dorine, qui est en ligne depuis quelques jours et qui le restera encore, ainsi que le film Lettre à G, repenser notre société avec André Gorz. Je remercie toute l'équipe de Vidi qui a rendu possible cette rencontre, et en particulier Merwan Amor et Juliette Le Guillou. Je vous souhaite une agréable rencontre et je passe maintenant la parole à Antoine Chollet. Bien, bonjour à toutes et tous. Je ne sais pas si on m'entend. Je remercie Vincent Baudrier pour son introduction et je prends la parole pour introduire un tout petit peu plus précisément les deux débatteurs de ce soir. Enfin, on verra si Dominique et Enzo ont des points de divergence importants. En plus de ce que Vincent a dit, je voulais donner peut-être quelques précisions, en commençant par Enzo Le Sourd, qui est donc docteur en philosophie politique, et ce qui lie directement un engagement à la fois de nature académique et de nature politique. Il est conseiller spécial d'Éric Piolle, qui est le maire ELV de Grenoble. Donc ELV pour les Suisses, ce sont les Verts en France, écologie. Europe Écologie Les Verts, donc parti des Verts en France. Il a publié, comme l'a dit Vincent, André Gorz, Portrait du philosophe en contrebandier en 2010. Et il a aussi publié en 2018 un livre qui s'intitule Survivre à l'Anthropocène aux presses universitaires de France dans la collection dirigée par Dominique Bourg, qui est une collection qui s'appelle L'écologie en question. Donc évidemment qu'il aura des choses à dire à la fois sans doute comme acteur, assurément comme philosophe politique, mais aussi comme acteur politique sur André Gorz. C'est ensuite Dominique Bourg, donc, comme Vincent l'a dit, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, qui a été professeur pendant longtemps à la faculté des géosciences et de l'environnement, qui a bien connu André Gorz, qui l'a rencontré dans les dernières années de sa vie, qui a bien connu Dorine également, et dont les derniers ouvrages parus, il faut suivre avec Dominique parce qu'il publie beaucoup de choses. Je mentionnerai Une nouvelle Terre en 2018 et Le marché contre l'humanité en 2019, en ajoutant peut-être à ces deux livres deux gros ouvrages qu'il a co-dirigés, un dictionnaire de la pensée écologique en 2015 avec Alain Papeau, et La pensée écologique, une anthologie, donc qui est une anthologie de textes avec Augustin Franière aux presses universitaires de France en 2014. Donc on va commencer cet événement avec des lectures de textes. Donc la soirée va se passer en plusieurs séances ou sections. Donc on aura une lecture de texte qui ensuite sera suivie à chaque fois par une discussion avec Dominique et Enzo. Donc, pour comprendre Gorz, il faut commencer par la biographie. Déjà, pour comprendre son nom bizarre, son triple nom, il a changé de signature à plusieurs reprises durant sa carrière.
Et donc, Laure Mathis et David Gazelson vont commencer par une lecture de la préface du Traître, qui est le tout premier livre que Gortz a publié sous ce nom-là. C'est à ce moment-là qu'il invente ce pseudonyme et qui paraît donc en 1958. Donc, je leur donne la parole pour cette ouverture. Voilà. C'est bon. Bonjour à tout le monde. Alors, avant de commencer, je voudrais vous lire le tout début de l'introduction de Ecologica, qui est un recueil de textes d'André Gortz, qui a été publié en janvier 2008, quelques mois après sa mort et la mort de sa femme, Dorine Kerr. Quelles ont été dans ma vie les rencontres et influences? Il y a eu Sartre, bien sûr, dont l'œuvre, à partir de 1943, a été formatrice pour moi pendant 20 ans. Il y a eu Illich, qui, à partir de 1971, m'a donné à réfléchir pendant 5 ans. Mais les influences les plus importantes ne sont pas nécessairement celles des personnes importantes. Jean-Marie Vincent, qui a relativement peu publié, m'a initié au Marx et Grundis dès 1959. Il m'a fait rencontrer des théoriciens italiens qui m'en ont fait connaître d'autres. Dans les années 1990, avec sa revue Futur Antérieur, il m'a convaincu qu'il me fallait réviser certaines de mes idées. Il y a 2 ans, à la suite d'un entretien sur l'immatériel pour un journal allemand, j'ai rencontré un hacker, Stefan Meretz, cofondateur de Leconux, qui explore avec une admirable honnêteté la difficulté qu'il y a à sortir du capitalisme par la pratique, la manière de vivre, de désirer, de penser. Mais de 1947 à ce jour, l'influence la plus forte et la plus constante a été celle de Dorine, sans qui rien ne serait. Ma compagne, qui m'a révélé qu'il n'était pas impossible d'aimer, d'être aimé, de sentir, de vivre, de prendre confiance en soi. Nous avons grandi et évolué l'un par l'autre, l'un pour l'autre. Sans elle, je n'aurais probablement pas réussi à m'accepter. Je suis David Gesselson, et dans Dorine, le spectacle qu'on a créé avec Laure, je joue donc Gerhard Hirsch, qui deviendra Michel Bosquet, puis André Gortz. Gerhard est né en Autriche en 1923. Son père, Robert, était un juif autrichien et sa mère, Maria, était une jeune femme catholique qui vivait à Vienne. La famille de Maria a collaboré dans les années 30 avec le régime nazi. Et son mari, Robert, lui, essayait de cacher ses origines juives. Et c'est la raison pour laquelle il a changé son nom de famille, Hirsch, pour Horst. Donc, Gerhard Hirsch est devenu Gerhard Horst. Et il a fui pour la Suisse, où il est arrivé en 1939. Il était étudiant à l'Institut Montana dans les Grisons. Et puis, il s'est installé à Lausanne en 1941 pour étudier la chimie. Il a commencé à écrire des articles dans plusieurs journaux à Lausanne, dans les Grisons, et dans la Gazette de Lausanne. En 1945, il vit au 28 Avenue de France, à Lausanne. Il a un diplôme de physique-chimie, mais ça ne l'intéresse pas beaucoup. Il s'intéresse plutôt à la philosophie, et en particulier la philosophie sartrienne. Il est bouleversé par l'être et le néant, et il décide d'en écrire la suite. En 1946, il se trouve qu'il rencontre Sartre à Genève, après une conférence. Et puis, il déménage, toujours dans Lausanne, il s'installe rue de Lalle. Et un soir, en 1947, il est en train de jouer au poker chez des amis à lui. Et là, il rencontre une jeune Anglaise qui s'appelle Dorine Kerr. Je suis Laure Mathis et je joue Dorine dans le spectacle de David. Dorine est née en 1924 à Saint-Pancras, à Londres. Elle est la fille d'Elizabeth Kerr. Et à 4 ans, elle rencontre son père, qui n'est pas son père officiel, mais son père biologique. Et puis à 6 ans, sa mère part, elle l'abandonne. Et Dorine va vivre avec son père jusqu'à ses 18 ans. Et puis entre 1943 et 1945, elle va vivre seule avec son chat, Tabby.
Et elle survit à la guerre. Elle va se marier ensuite avec un homme qui s'appelle Victor, mais ça ne va pas durer très longtemps. Ils vont divorcer assez vite. Et en 1947, elle arrive à Lausanne où elle a trouvé un travail comme jeune fille au pair. Et puis un soir, elle rencontre Gérard. Alors, ce n'était pas du tout au poker la première fois, mais bon, bref. Mais elle le rencontre chez les gens chez qui elle travaille donc comme jeune fille au pair. Et ce soir-là, elle ne le voit pas, pour ainsi dire. Il est transparent. Mais ils vont donc se revoir à cette fameuse soirée de poker chez des amis à elle. Et cette fois-là, elle le voit. Quelques temps après, c'est le 23 octobre 1947. On est à Lausanne, il neige ce jour-là. On est sur la promenade au bord du lac à Ouchy. Dorine et Gérard se baladent et il l'invite à dîner. Et le temps passe et Dorine s'engage comme comédienne dans la troupe de Charles Apothélose, la compagnie Les Faunés, qui adapte à ce moment-là un scénario de Jean-Paul Sartre, et elle va jouer à Lausanne et à Montreux. Et en 1949, ils se marient. Et ils partent à Paris en 1951. Gérard devient journaliste à Paris Presse, puis au Nouvel Obs, et il change de nom. Donc, Gerhard Horst devient Gérard Horst, puis Michel Bosquet. Bosquet qui est la traduction de Horst en allemand. Et en 1958, il publie donc Le Traître sous le nom d'André Gortz. À l'époque, le régime en France était assez anticommuniste et Le Traître contenait des choses plutôt subversives. Donc, s'il le publiait sous son vrai nom, il risquait de ne pas obtenir la naturalisation française qu'il demandait à ce moment-là. Et il choisit Gortz parce que c'est le nom d'une petite ville qui est à la frontière entre l'Italie et la Slovénie. Et il se trouve qu'on y fabriquait des jumelles et que son père lui avait offert une paire de jumelles Gortz quand il était adolescent. Donc voilà, il a pris le nom d'une paire de jumelles, si on veut. Voilà. Et en 1958, donc, Jean-Paul Sartre prépasse Le Traître, qui sera un succès. Et je vais vous en lire un extrait. Ils ont guéri son strabisme avec des lunettes, son zozotement avec une boucle de métal, son bégaiement par des exercices mécaniques, et il a parlé à la perfection. Mais d'une voix si basse et si rapide que « qu'est-ce que tu dis ?» disait sa mère. « Parle plus haut, qu'est-ce que tu marmonnes ?» Et ils l'ont surnommé « marmonneur ». Cette voix sourde, égale, courtoise, c'est elle que vous allez entendre et vous la reconnaîtrez entre toutes désormais. À qui appartient-elle ? À personne. On dirait que le langage s'est mis à parler seul. De loin en loin, il arrive que le mot « je » soit prononcé et l'on croit entrevoir le parleur de cette parole, le sujet qui choisit les termes, pur mirage. Le sujet du verbe n'est lui-même qu'un mot abstrait. La phrase a suivi sa route familière, elle a pris la tournure personnelle par commodité. En fait, quelqu'un est là. Un type maigre, l'œil et la joue creux, le menton et le front fuyant, un long cou de tortue émergeant, tendu vers l'avant, d'un dos un peu voûté, allure de volatile, au geste parcimonieux, comme s'il cherchait à contenir en soi son être. Mais il se tait, c'est un objet, chaque proposition le recompose et le désigne. Sans ce muet, la voix serait tout à fait déserte. Il habite en elle, il étend son corps verbal à travers les mots, elle nous apprend qu'il est anxieux, qu'il a terminé un ouvrage philosophique et qu'il s'apprête à le déposer chez un certain Sartre. Le Traître n'est pas une œuvre d'art, c'est un événement, une brusque précipitation, un désordre de mots qui s'ordonne. Vous tenez dans vos mains cet objet surprenant, un ouvrage en train de créer son auteur. De celui-ci, nous ignorons tout, sauf ce trait négatif, il ne sera pas. Il ne peut pas être ce monstre sacré qu'on nomme l'écrivain. S'il se trouve au bout de son effort, ce sera n'importe qui, un homme comme les autres. Car la voix cherche un homme et non pas un monstre. Donc, n'attendez pas ce geste qu'est le style. Tout est en acte. Mais si vous aimez,
chez nos grands auteurs, une certaine saveur des mots, un air particulier de la phrase, une physionomie des sentiments et de la pensée. Lisez Le Traître. D'abord, vous perdrez tout, mais tout vous sera rendu. Son délaissement, sa quête passionnée, sa mue donnent à cette voix un ton inimitable. En cette écriture sans sujet, l'impossibilité radicale du style devient à la longue un dépassement de tous les styles connus, ou, si l'on préfère, le style de la mort fait place à un style de vie. Gortz a 32 ans. Depuis 32 ans, quoi qu'il fasse, il lui apparaît aussitôt qu'il eût pu faire le contraire et que le résultat eût été le même, c'est-à-dire nul, ou pire encore, insignifiant. Depuis 32 ans, son existence lui échappe, il n'en a d'autre preuve qu'un insurmontable ennui. Je m'ennuie, donc j'existe. Mais il s'est débattu, il a cherché, il a cru trouver la parade, il s'est dit, parce que je ne suis de nulle part, d'aucun groupe, d'aucune entreprise, l'exilé de tous les groupes et de toutes les entreprises, il n'y a que cette alternative. Être en marge de la société et de l'histoire, le surnuméraire de l'espèce humaine, réduit à l'ennui de vivre, à la conscience aiguë de la contingence de tout ce qui m'entoure, ou m'élever en conscience à l'absolu, c'est-à-dire tout fonder philosophiquement comme un moment de l'aventure spirituelle, et ceci fait, retrouver à partir de cet intérêt spéculatif le goût du concret. Je ne peux rejoindre le réel qu'à partir de l'idée. En d'autres termes, puisqu'il est ainsi fait qu'il ne se connaît pas de désir particulier, il va mettre à profit son indifférence. Faute de pouvoir ou de vouloir, rien n'est encore décidé, être un certain Gortz, il se fera l'homme universel. Il déterminera ses conduites par des concepts et se donnera cette règle : agis toujours, de telle sorte que les circonstances et le moment servent de prétexte à tes actes pour réaliser en toi et hors de toi la généralité de l'espèce humaine. C'est pour cela qu'il a entrepris à 20 ans d'écrire un ouvrage de philosophie. Quand on est immunisé de naissance contre les violences de la peur, de la concupiscence ou de la colère, il faut ne rien faire ou tout fonder en raison. Même le geste d'ouvrir un parapluie s'il le faut. Il faut répondre à ces deux questions. Qui est ce Gortz que je suis? Qui m'a fait tel que je sois Gortz et que je refuse si farouchement de l'être? La méthode, il l'invente en réfléchissant sur son cas et elle se prouvera par sa réussite. Pour se produire au jour comme une totalité particulière, il faut qu'il se cantonne dans l'expérience de sa particularité, qu'il s'invente en inventant sa propre interrogation et les moyens d'y répondre. Le traître efface tout et se recommence. Voilà ce qui nous donne aujourd'hui la chance de lire un livre radical. Gortz, en s'inventant, ne vous a pas déchargé du devoir de vous inventer. En fermant le livre, chaque lecteur retrouve son propre maquis, les arbres vénéneux de sa jungle, à lui de frayer ses chemins, seul, de se défricher, de mettre en fuite les vampires, de faire éclater les vieux corsets de fer, les vieilles actions éreintées où la résignation, la peur, le doute de soi l'ont enfermé. Que l'un de nous, travaillé par l'inquiétude, se détourne de l'idée, qu'il refuse la pensée abstraite, qu'il revienne sur sa singularité pour la dépasser, qu'il tente de reconnaître sa solitude pour y échapper, pour jeter vaille que vaille dans un langage étrange, empirique, semblable à celui que réinvente l'aphasique, les premiers ponts entre les îlots de nos archipels, qu'il remplace nos amours intransigeantes, qui sont de la haine masquée, par des préférences appliquées, qu'il cherche, dans des circonstances toujours singulières et datées, à s'unir avec d'autres qu'il n'approuve guère et qui ne l'approuvent pas, pour rendre un peu moins injuste le règne de l'injustice, il obligera les autres à réinventer ce même effort tenace, à s'unir par la reconnaissance de leur diversité. C'est ce qu'a tenté Gortz.
Le livre de Gortz nous concerne tous. S'il balbutie d'abord, s'il ne sait où il va, s'il se transforme sans cesse et si nous sentons sa fièvre glacée dans nos mains, s'il nous contamine sans nous voir, et si pour finir il s'adresse directement, intimement à chaque lecteur, c'est qu'il est d'un bout à l'autre traversé par le mouvement qui nous anime, par le mouvement de notre époque, radical et modeste, vague et rigoureux, banal et inimitable. C'est le premier livre d'après la défaite. Les vampires ont fait un carnage mémorable et ils ont écrasé l'espoir. Il faut reprendre souffle, faire le mort quelque temps et puis se lever, abandonner le charnier, recommencer tout, inventer un espoir neuf, tenter de vivre. Les grandes tueries du siècle ont fait de Gortz un cadavre. Il ressuscite en écrivant une invitation à la vie. Bien, merci beaucoup pour cette lecture de cette préface de Sartre où Dominique et Enzo confirmeront peut-être Sartre parle parfois plus de lui que de Gortz ou de Gérard. Je voulais commencer d'abord par rappeler aux participants que le forum pour les questions est ouvert, donc vous pouvez adresser vos questions, on reprendra celles que l'on peut reprendre parce que on n'a pas beaucoup de temps, donc il faudra aller relativement vite, mais je les relayerai au besoin. Et puis, je voulais d'abord donner la parole à Dominique, qui a connu directement Gortz. Est-ce que ce portrait, cette espèce de portrait dressé par Sartre, les allures de volatile, le coup de tortue, mais aussi les questions plus substantielles, c'est ce personnage qui essaye de contenir en soi son être, te paraît juste? Le portrait physiquement il est quand même extrêmement bien vu, et moi je voudrais revenir sur la question de la voix. Et là, évidemment on a entendu la lecture de Laure, mais la voix de Gortz était très très particulière. C'est quelqu'un qui parlait très doucement et on avait l'impression qu'il avait la gorge à l'intérieur du crâne, c'est-à-dire tu avais vraiment l'impression que la voix venait de loin et que tu n'avais qu'un écho de sa voix. Et ça, c'est pas sans lien avec en fait toute son existence, ce qui vient de nous être excellemment lu d'ailleurs. On voit que Gortz s'enracine dans une philosophie du sujet, hein, qui est vraiment très fortement marquée par la réflexion de Sartre. La statue de Sartre a tout d'abord commencé par complètement écraser Gortz, hein, à telle enseigne qu'il écrit un roman. Et il ne l'a dit à personne, il a fallu attendre sa mort, je crois, pour qu'on le sache. Moi, j'ai appris l'existence de ce roman, qui n'a d'ailleurs toujours pas été publié, qui se voulait une espèce de répondant de la nausée. Je l'ai appris après sa mort avec celui qui était alors le patron de l'IMEC. J'ai juste vu comme ça de loin le manuscrit. Mais pour les avoir connus tous les deux, la question du sujet, et la question de la relation d'un sujet à un autre, alors très directement leur propre amour, c'est quand même la question qui traverse toute leur existence. Et je dirais que le chef-d'œuvre de Gortz, c'est le chef-d'œuvre commun avec Dorine. C'est leur propre existence. Et de cette existence-là, d'une certaine manière, la lettre AD est une sorte de reflet magnifique. Mais moi, j'ai toujours été extrêmement impressionné par leur relation à tous les deux. Parce que pendant une quinzaine d'années, je suis venu parfois à l'improviste, etc. Tous les couples qu'on connaît, on sent les tensions. Et chez eux, c'était très, très particulier. La relation à trois était très, très, parfois à quatre, parce que je venais avec souvent avec mon ex-épouse. Et c'était toujours la même chose. On commençait toujours par une discussion à quatre. Un peu général, etc. De temps en temps, on abordait ce qu'il était en train d'écrire, comme dans la pièce de David et de Laure. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, la discussion partait à deux.
Alors, qui a eu mon ex-épouse ou pas, de toute façon, après la discussion, partait à deux, et on s'est retrouvés à trois ou à quatre au moment du thé. Hein. Dorine était anglaise, et le thé, c'était quelque chose de totalement sacré. Et alors, c'était vraiment avec des petites enveloppes en feutre, etc. Et donc, vraiment, ces textes qu'on vient d'entendre, on a le fond de sa philosophie. C'est là qu'on voit aussi le lien entre sa philosophie initiale du sujet, toute la difficulté qu'il a à s'affirmer lui-même, d'où les jeux avec les pseudonymes, et dans la pièce de David et Laure, comment justement par ça, le fait qu'il refuse en fait le mariage, parce que le mariage présuppose qu'il existe et il prétend ne pas exister, enfin, et écoutez la pièce, puisqu'elle est en accès libre, là, vraiment je vous invite à le faire, et en fait, j'ai vraiment envie de raconter ça tout de suite, voilà, la seule fois où Gore s'est fâché avec moi, mais je n'étais pas tout seul, il y avait Bernard Perret, mais le pauvre n'y était vraiment pour rien, c'est quand on a commencé à aborder la question de l'amour. Et là, moi, lecteur féru de Gérard, je dis, ben non, une relation amoureuse, ça présuppose un tiers, et le mariage est l'expression de ce tiers, c'est par le tiers qu'on peut constituer la relation à deux. Et là, eh bien... Gorz s'est fâché comme Laure se fâche dans la pièce. Et je l'avais jamais vu se fâcher. Vous imaginez bien cet individu très maigre, effectivement, un peu comme ça, avec un peu un coupe, une tête un peu de vautour, un nez un peu crochu, et en même temps d'une douceur et d'une délicatesse extrême. Il s'est fâché tout rouge, mais j'ai vraiment eu peur pour lui. J'ai vraiment eu peur pour lui. Et il s'est fâché parce que, en fait, toute sa vie, il a construit, ils ont construit tous les deux une relation qu'on peut... Fusionnel, ce n'est pas le mot, ça ne serait pas juste, c'est plus que ça, je ne saurais pas le dire. Et la façon dont ils sont partis, moi je refuse de dire qu'ils sont suicidés. Si vous voyez la pièce, vous le verrez aussi, la seconde moitié de sa vie est marquée par une douleur effrayante, écrasante, et c'est la lassitude face à cette douleur qui va faire qu'ils vont partir ensemble. Mais voilà, ça c'est vraiment l'idée. Alors, je reviens quand même à l'aspect, la jonction entre la philosophie du sujet et puis la question de l'écologie. Eh bien, on pourrait revenir au triangle de Colm. Hein. En fait, il y aurait trois manières de construire la société. On pourrait la construire sur la domination de l'État. Ça, c'est le communisme traditionnel. On pourrait la construire sur la domination du marché, c'est le capitalisme. Et le grand rêve de l'écologie, c'est de la construire sous la sphère de l'autonomie. Et c'est ça qui crée le lien chez lui, entre sa réflexion métaphysique, son interrogation sur le sujet, la construction à deux de leur vie, et puis effectivement la pensée écologique. Et là, Dorine était aussi très très présente. Encore une fois, un petit souvenir personnel, là aussi, j'ai souvenir, et il y en a un petit écho dans la pièce, j'ai souvenir d'une discussion entre tous les deux quand ils ont décidé de changer de voiture. Ça a duré pendant une heure et demie, où ils ont discuté, je devais être seul, je ne crois pas que mon ex-épouse était là, où ils ont essayé de partager avec moi leurs hésitations sur le fait, est-ce qu'ils doivent acheter une nouvelle voiture ou pas, ça ressemblait à peu près à ce que vous pourrez voir si vous allez voir le spectacle. Voilà, juste quelques petits mots d'introduction pour faire le lien entre le Gorz métaphysicien, héritier quelque part de Sartre, et puis c'est cette pensée qui va se développer plus tard autour de l'écologie. Bien, Enzo, à vous la parole. Oui, bah déjà, un grand merci au Théâtre Vidi pour cette invitation qui nous invite à faire dialoguer théâtre, lecture, philosophie, politique. C'est une approche assez gorzienne de voir comment tous ces registres de pensée, d'écriture et d'esthétique aussi peuvent se conjuguer, s'articuler pour faire émerger un peu comme ça des sujets nouveaux. Et puis, un petit clin d'œil aussi à l'actualité, parce que discuter de Gorz, on va y venir dans les sujets d'après, ce qui a questionné la place de la technologie dans nos vies, des médias et du numérique, notamment en fin de vie. Discuter de Gorz, chacun chez soi, derrière son écran, derrière son ordinateur, via Internet, il y a aussi quelque chose de cocasse. Et donc, on est pleinement dans un moment éminemment gordien de discuter derrière nos écrans en faisant croiser les esthétiques autour de Gorz. Peut-être en complément de ce qu'a dit, Dominique à l'instant, pour resituer un petit peu la place du trait dans le parcours d'André Gorz. André Gorz, donc, il est traumatisé par l'expérience totalitaire comme l'ensemble du monde occidental. Et donc, il repart de zéro, il repart de rien, de moins que rien, parce qu'étant juif par son père, il a eu le sentiment d'être, de vouloir que les nazis ont voulu rayer un peuple de l'histoire, une nation, enfin, une identité culturelle
qui devait être anéanti. Et donc, il commence son expérience intellectuelle et son expérience philosophique et intellectuelle par en commençant en étant moins que rien, en étant vide, en étant effondré de l'intérieur. Et il va utiliser, et c'est l'histoire de tout son parcours intellectuel, sa pensée, sa réflexion, son écriture, mais aussi ses engagements pour habiter, dans un premier temps, habiter son corps, habiter sa relation, habiter sa ville, habiter sa cité et habiter par prolongement la planète, et qui l'amène à penser de l'écologie, non pas, et c'est un peu une des particularités de sa pensée, en passant par Gaïa et par le global, mais en commençant par une reconstruction, par une sculpture interne, par un des cercles concentriques qui commence par lui, qui commence par sa relation ensuite avec Dorine, ensuite dans sa ville, dans sa cité et dans la planète. Et donc le traître, c'est l'acte 1, l'acte fondateur, et c'est un peu la matrice intellectuelle d'André Gorz, parce que c'est aux deux tiers de l'ouvrage, il bascule du il ne se sent pas légitime pour manier le jeu tout au long de l'ouvrage, donc il manie le il jusqu'aux deux tiers, et il manie le jeu, il bascule sur le jeu en fin de dernier tiers de l'ouvrage. Donc il y a comme ça cette espèce de prise de conscience et d'amorce du sujet qui se fait dans le traître, et qu'il utilise donc là aussi un format un peu roman ou de nouveau roman, où c'est l'aventure d'une écriture qui donne à voir comme ça comment l'individu se crée par lui-même, par sa propre exercice de pensée. Et il y a une formule qu'a utilisé Dominique, à mon avis, qui va nous suivre tout au long de la soirée, c'est par le tiers, parce que je trouve c'est une formule qui va très bien pour comprendre un peu aussi la structure de la pensée d'André Gorz, où il a pour ambition, pour projet de se créer, de se forger, il a un rapport à la philosophie qu'il appelle autopoiesis. C'est l'individu qui se crée lui-même une subjectivité. Et donc, il prétend pas. Son objectif, c'est de poser ce parcours et cette ambition philosophique-là. Donc, il la voit d'abord dans l'existentialisme de Sartre avec le traître. Ensuite, il va essayer de donner une constitution politique à cette subjectivité en train de se créer, cette autonomie un peu authentique qui est en train de se forger. Ça va être l'écologie politique. Deuxième phase de son œuvre, et la troisième phase de son œuvre, on y viendra aussi tout à l'heure, sur la place du numérique, du net, où ce que lui, il est un diagnostic à la fin du capitalisme et un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Donc, et tout au long de fil rouge de ce parcours-là, étant évidemment Dorine, où on peut, et ça, on pourra aussi questionner ça tout au long de nos échanges, comment un individu comme Gorz, qui prétend passer du il au je, le fait en passant par le tu, en passant par le elle, et c'est en passant par ce tiers-là. Et je comprends aussi le coup de colère dont tu racontais tout à l'heure, Dominique, c'est que ça vient, à mon avis, percuter quelque chose qui est vachement intéressant chez lui, et intime, et politiquement, et philosophiquement, c'est comment j'apprends à dire « je » en passant par toi, comment j'apprends à dire « je » en passant par mon environnement immédiat. Et donc, c'est à la fois très intime, très sensible, et très sensuel comme rapport à la subjectivité, mais aussi, on va peut-être le voir ensuite, très politique. Merci, merci beaucoup pour ces deux premiers éclairages sur... biographique d'une certaine manière sur Gorz. Et on va directement enchaîner avec la lecture du second texte qui est tiré, c'est un petit fragment qui est tiré d'Écologie et politique, livre lui-même composé de deux livres parus en 1975 et 1977 et qui a été réédité en 2018 chez Artaud, enfin, sous la double signature de Michel Bosquet et André Gorz, puisque certains des textes d'Écologie et politique avaient été publiés dans le Nouvel Observateur sous le nom de Michel Bosquet, précisément. Donc je laisse la parole à Laure et à David pour cette seconde lecture. Pour l'introduire très rapidement, dans les années 60, Gérard travaille donc comme journaliste au Temps moderne, et puis au Nouvel Observateur, il va faire la rencontre de syndicalistes italiens très influents. Et en 1967, Dorine fait une radio à cause d'une hernie discale, et on va lui injecter un produit de contraste, le lipiodol, dans les cervicales. Après quoi, le couple part à Cuba en 1968. Là-bas, ils font des rencontres qui sont très, très fortes pour l'un comme pour l'autre. Ils rentrent en France. Dans les années 70, Gorz est très influent dans les milieux syndicaux, notamment à la CGT. Et entre 69 et 74, ils rencontrent tous les deux des intellectuels américains, notamment Herbert Marcuse. Et Dorine va aussi faire la rencontre d'un groupe de femmes qui vient juste de publier un livre, « Our Bodies, Ourselves ». Et ce livre marque le début d'un mouvement majeur de réappropriation de leur corps et de la façon de le soigner par les femmes. En 72, le couple rencontre Ivan Illich, qu'on a évoqué tout à l'heure. Notamment, sur ces questions de réappropriation, ils vont avoir un lien très très fort tout au long de leur vie. Et en 1974, Dorine découvre qu'elle a une arachnoïdite. C'est une maladie qui est provoquée par l'injection du lipiodol qu'elle a subie 7 ans plus tôt. Et en 75, donc... Gérard publie ce livre « Écologie et politique » dont je vous lis un extrait. Les maladies épidémiques les plus répandues sont toutes les maladies dégénératives,
de civilisation que la médecine ne sait ni prévenir, ni guérir. Cancer, maladies cardiovasculaires, rhumatisme, etc. Ces maladies frappent une proportion croissante de la population malgré l'utilisation de techniques de soins de plus en plus lourdes. Tout indique qu'elles sont liées à notre mode et notre milieu de vie. Des civilisations différentes de la nôtre en sont exemptes. De tous les facteurs de santé, la médecine est l'un des moins efficaces. En tant qu'institution sociale, elle est chargée d'atténuer les symptômes qui rendent les malades inaptes au rôle que la société leur impartit. En incitant les gens à porter leur maladie chez le médecin, la société les détourne de s'en prendre aux raisons fondamentales et permanentes de leur mal-être. En traitant les maladies comme des anomalies accidentelles et individuelles, la médecine en masque les raisons structurelles qui sont sociales, économiques, politiques. Elle devient une technique pour faire accepter l'inacceptable. Nous nous portons d'autant plus promptement malades que notre travail et notre vie nous apparaissent extérieurs, fastidieux. C'est en ce sens aussi que cette société est pathogène. Tout en multipliant les facteurs objectifs de morbidité, elle sape les fondements existentiels de la santé. Une médecine qui prétend traiter les maladies sans se préoccuper de leur sociogénèse ne peut qu'avoir une fonction sociale très équivoque. Au mieux, elle est une activité charitable par laquelle le médecin occupe, outre la sienne propre, la place vide du prêtre. Au pire, elle est une industrie qui aide les gens malades à continuer leur façon de vivre malsaine pour le plus grand profit des fabricants de poisons de toutes sortes. Et pour finir, l'art de mourir, qui tenait de la fête d'adieu, dans laquelle le mourant, entouré et soutenu dans sa tâche par tous ses proches, résumait le sens de sa vie, et mourait comme il avait vécu, l'art de mourir a été remplacé dans notre culture par la mort clinique, solitaire, honteuse et absurde. Nous avons troqué l'asservissement à la nature contre l'asservissement à une anti-nature plus tyrannique encore et plus terrible. Et nous y avons perdu la santé. Merci. Merci beaucoup pour cette lecture des passages sur les questions médicales qui sont directement inspirées de la némésis médicale d'Ivan Illich. On va reprendre la discussion. Je précise immédiatement, parce que je vais paraître peut-être un peu tyrannique, je sais bien qu'André Gortz a écrit un article qui s'appelle « Bâtir la civilisation du temps libéré ». Alors ici, ce soir, ce ne sera pas le temps libéré, puisqu'on est tenu par l'horloge, donc je vais obligé de demander à Enzo et à Dominique de faire des réponses assez brèves, évidemment, mais tout en ne vous censurant pas trop. Donc Enzo, peut-être pour commencer sur cette question de la médecine, et notamment sur cette question de l'euthanasie, en réalité, de la bonne mort dont Gortz parle à la fin de l'extrait qui a été lu. Là, si on, comme on le disait tout à l'heure, si on tire le fil d'André Gortz comme étant un penseur de l'habité, du domicile, de la réappropriation de son monde vécu, du fait de se sentir bien dans sa tête et bien dans son corps, la santé est au cœur de son raisonnement politique. D'une part, parce que ça fait le deuxième cercle concentrique sur lequel il bâtit sa pensée politique, mais c'est aussi une synchronisation immédiate avec ce qu'il vit avec Dorine, ce que Dorine vit et ce que, du coup, qui pèse sur leur histoire à tous les deux, dans cette maladie nosocomiale qu'elle a attrapée au cours d'une opération qui sera fatale. Et on voit que cette pensée-là de la médecine, il la met en tension aussitôt avec ce qu'il appelle, lui, l'hygiène. Donc, il voit la médecine qui étant une stratégie d'intervention du médecin sur un corps étranger pour remettre ce corps étranger en état de marche. Donc, c'est la critique qu'il formule en disant remettre sur le marché de l'activité un corps qui est un peu fatigué. Et il oppose dans cette médecine, cette technomédecine qui, en plus, est en train de faire du mal à Dorine, il oppose ce modèle-là à ce qu'il appelle l'hygiène. Qui est l'hygiène, qui est l'inverse, qui parle de la population, qui est comment la population prend soin de sa qualité de vie entre elles, comment elle échange sur les bonnes pratiques, sur la bonne alimentation, sur la pratique d'avoir un bon air autour de soi, sur tout l'environnement, et on rebascule après par prolongement sur les questions écologiques, tout l'environnement qui fait que l'individu peut prendre en charge lui-même, par sa communauté, par sa société, par son quartier, par sa ville, d'une condition de bonne santé. Donc il oppose d'un côté la médecine et la technomédecine à cette hygiène politique. Derrière, ce qui se joue, c'est un peu plus large que la question de la médecine, et c'est donc un peu plus politique, un peu plus grand. C'est la question du progrès aussi, où il vient challenger la conception moderne du progrès qui dit que le progrès se fait par l'industrie, par l'État, par la direction que l'État donne à la société,
par le haut de l'hôpital public qui va décider ce qui est une bonne santé, ce qui n'est pas une bonne santé. Lui, il dit que non, en fait, le sens du progrès, c'est les individus qui se prennent en charge eux-mêmes, c'est la communauté qui travaille elle-même, c'est ben, les femmes. L'exemple du levrage qui a été cité tout à l'heure, du body au self, donc comment on passe de notre corps à notre identité, comment c'est toute cette santé communautaire-là, comment c'est tout ce qu'on appelle aussi la santé environnementale, qui sont des champs qui sont en train de revenir dans le débat public à l'occasion de la Covid-19 aussi, comment cette conception du progrès-là arrive et permet de bousculer un peu cet dogme de la médecine. Et le schéma qu'il applique à la médecine, il l'applique aussi, vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre lecture, suite à ses rencontres à Ivan Illich, où Ivan Illich, il a un concept très simple qu'il a développé dans ses ouvrages, qu'il donne notamment dans la convivialité, c'est celui de contre-productivité. Donc le concept de contre-productivité, il est très simple à comprendre, et il résume beaucoup de la pensée d'Ivan Illich, en tout cas de sa pensée politique, c'est un schéma, un motif qui est simple, c'est comment une promesse qui est portée par une institution de résoudre des problèmes, typiquement on va créer l'hôpital ou créer la santé publique pour remettre les gens en état de marche et pour que les gens retrouvent la grande santé, comment cette intention de base, elle se trouve pervertie par deux générations de développement qui, à force de développer, à force de complexifier, à force de rendre ça administratif, à force de rendre ça technoscientifique, ben on s'éloigne de l'objectif de départ. Donc, il a tout un argumentaire pour dire, en fait, il y a l'intention originelle de la médecine qu'on retrouve dans l'hygiène et que cette intention originelle de la médecine s'est retrouvée à grands coups de développement, former une technomédecine où, en fait, la santé nous rend malade. Le médecin qui veut nous faire retrouver notre corps, qui veut nous faire eux-mêmes prendre possession de notre vie, de notre corps, de notre destin, notre naissance jusqu'à la mort, on se retrouve dépossédé ou en fait on se remet totalement dans les mains de quelqu'un en blouse blanche qui vient nous transformer, non pas qui nous traite non pas comme un citoyen, mais comme un patient, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a perdu sa souveraineté et qui attend une intervention extérieure. Merci beaucoup. En effet, comme vous l'avez dit, la situation sanitaire contemporaine remet ses réflexions et aussi peut-être questionne ces réflexions par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Donc Dominique, je ne sais pas si ce que tu voulais. Oui, Enzo a presque tout dit. Je vais juste peut-être à peine le reformuler différemment, mais en fait, la relation corps-médecine, c'est un peu et à la fois la métonymie et la métaphore de la relation sujet-société. C'est-à-dire, on a des formes de société qui détruisent le sujet, qui l'empêchent de s'affirmer, de s'épanouir, de construire son autonomie, et qui construisent une hétéronomie absolue. Alors le cas du lipodiol, d'ailleurs je ne sais pas si je me trompe pas dans l'expression de la substance, mais c'est le cas absolu, c'est-à-dire elle a fait confiance en quelque chose, dans une hétéronomie totale, sans s'interroger, etc. Lui, ça le travaille d'autant plus qu'il est chimiste et qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne lui était pas étranger et qui en fait va détruire complètement la vie de Dorine et qui va ronger leur propre vie à tous les deux jusqu'au moment où ils devront se donner la mort, compte tenu de cette souffrance. Donc là, on est avec la relation corps-médecine au cœur de sa philosophie politique et de sa philosophie tout court, hein, c'est-à-dire la relation du sujet au système et le système destructeur, parce qu'il est hétéronome, parce qu'il ne peut pas être assumé par le sujet, parce qu'il est obligé de faire une espèce de confiance aveugle à un système technicien auquel il ne comprend rien. Et là, c'est là où on a le recouvrement total entre l'œuvre de Gorz avec son enracinement sartrien et celle d'Illich qui pourtant n'a pas du tout la même généalogie. Mais là, pour le coup, les deux se recouvrent parfaitement et totalement. Merci. Et sur je pose une petite question provocatrice. La pandémie. Provocatrice, voilà. Sur la pandémie et notamment sur la question des vaccins. C'est-à-dire, on est d'accord qu'on ne va pas pouvoir, dans des petites collectivités autonomes, faire des vaccins pour 8 milliards de personnes. Oui, alors c'est quand même compliqué puisque le mot vaccin vient de la vaccine, donc on a le mot vache, et c'était la façon dont, en trayant, on s'immunisait soi-même, je crois que c'était la variole, je ne sais plus quelle était la grande... Oui, la variole, c'était ça. La variole, hein, la maladie en question. Donc, en fait, c'est très curieux le vaccin parce que dans son principe, ce n'est pas quelque chose de technique. C'est quelque chose qu'on va chercher à reproduire par une technique. Bon, là, je dirais qu'on bute un peu sur le fait que, enfin, la volonté qu'on a à vouloir absolument systématiser une pensée. En tout cas, la période qu'on vit aujourd'hui, plutôt l'enseignement est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a cru par la technique nous libérer totalement de la pandémie via le vaccin. Et on s'aperçoit que c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. D'une part, vacciner une population de bientôt 8 milliards d'êtres humains, ça prend quelques temps, hein, même quand on a plus d'argent que les autres et quand on peut acheter plus vite les vaccins. Ensuite, évidemment, quand on a un virus qui se promène et qui se reproduit des milliards et des milliards de fois, mais il mute,
et en mutant, certains de ces mutants, c'est une des craintes que l'on a maintenant, peuvent faire que l'on serait obligé à chaque nouvelle génération de virus de reconcevoir un vaccin avec le même cirque. Et en fait, ce que ça nous montre aujourd'hui, c'est que la pandémie telle qu'on la traverse, eh bien, c'est franchement la première expression, au sens où cette fois-ci tout le monde peut comprendre, de ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire que l'anthropocène, ce n'est pas une crise, hein, c'est une nouvelle page de nos relations à la nature qui s'ouvre. Je vous rappelle qu'un petit brin d'ARN, c'est de la nature, hein, c'est un petit morceau de nature de quelques nanomètres qui nous fait bien des misères. Ben, c'est simplement... Alors là, pour le coup, c'est encore une métonymie de ce grand chambardement qu'on a fini par susciter. Et on aura d'autres pandémies, mais on aura bien d'autres choses. Et c'est ça que signifie la pandémie aujourd'hui. C'est en ce sens-là qu'elle a un rapport avec, très profond avec l'écologie que d'aucuns ne veulent pas voir. Merci Dominique. Enzo, une petite réponse là-dessus. Un rebond sur ça. Mais le schéma de pensée d'André Gorn, c'est d'interroger l'état de la société, passer à certains seuils de complexité, passer à certains seuils de grande échelle, passer à un certain seuil d'accélération. Et si on reprend, mais on est tous un peu fatigués de cette actualité-là, donc peut-être, mais si on veut parler un petit peu de la pandémie, il y a un ouvrage qui est très intéressant qui a été écrit par Hartmut Rosa quand il a fait un voyage en Chine, c'était en 2018, je l'appelle Voyage en Chine ou quelque chose comme ça, donc un an avant la pandémie, et Hartmut Rosa va passer 6 mois à Wuhan, qui est l'épicentre de la pandémie. Et donc il écrit un chapitre, un journal de bord, ce qu'il voit à Wuhan, et il est frappé par tous les slogans du Parti communiste chinois qui sont sur toutes les banderoles, sur tous les chantiers, parce que Wuhan, c'est une ville en chantier permanent. Et le slogan qui a marqué à Wuhan partout, c'est « Chaque jour, un nouveau Wuhan ». Tellement c'est une explosion permanente d'énergie, que c'est une complexité gigantesque, il y a des buildings qui sortent partout, et que ça vient taper ce que lui vient après travailler sur les questions de travail, d'économie et d'écologie notamment, de remise en ordre et de respect des différents cercles et des différentes échelles, ou quand le niveau de complexité économique, le niveau d'étalement urbain, le niveau de densité urbain, comme disait Dominique, le niveau de puissance d'envergure anthropocénique, vient brouiller et faire percuter les zoonoses avec l'activité humaine, on se retrouve là avec des pascules qui se font du virus, ou ce qui s'est passé avec les marchés aux poissons et les marchés aux pangolins à Wuhan. Donc là, on voit qu'il y a une connexion qui se fait parce qu'il y a un seuil d'hypercomplexité qui est atteint, et quand ce seuil d'hypercomplexité est atteint, on se retrouve non pas avec une immense puissance, qui était quand même la promesse de la modernité, c'est plus on va développer, plus on va être puissant, mais on se rend compte qu'au-delà d'un certain seuil de développement, on est vulnérable. Et qu'on peut en effet se féliciter qu'un vaccin ait été trouvé en un an, on peut se dire qu'en fait, on est quand même tous à portée de tir du premier postillon du voisin, et que les virus voyagent plus vite que les vols intercontinentaux désormais. Donc on voit d'un côté le paradoxe de la puissance qui se trouve dans cette épidémie-là, c'est que d'un côté on dit oui, on arrive à trouver un vaccin en un an, oui, on est super fort, mais la réalité c'est qu'on court après une pandémie, la réalité c'est que notre hyper complexité, hyper seuil de développement nous rend vulnérables à la reproduction à l'infini de ce qui vient de se passer là. Merci beaucoup. Alors, ça va nous conduire directement vers la troisième lecture qui traitera de la question de la nature sur laquelle Gortz a une position assez différente de la plupart des écologistes. Ce sont des extraits d'un entretien qu'il avait eu en 1990 avec Eric Earl, qui était paru en allemand à Vienne et qui a été traduit par Willy Gianinazzi, qui a aussi publié une grande biographie d'André Gortz il y a quelques années, qui a été publiée dans un petit ouvrage qui s'appelle « Le fil rouge de l'écologie » en 2015. Donc, je laisse la parole à nouveau à nos deux artistes. Juste, on avait prévu de lire ça, mais pour rebondir, et ça va dans le même sens, je vais vous lire un très très court texte qui vient de l'Éloge du suffisant, qui est publié aux Presses universitaires de France, et on vous lira le fil rouge de l'écologie dans la foulée. Le mouvement écologique, écrit Gortz, est né bien avant que la détérioration du milieu et de la qualité de vie pose une question de survie à l'humanité. Il est né originellement d'une protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien par les appareils de pouvoir économique et administratif. Et par culture du quotidien, j'entends l'ensemble des savoirs intuitifs, des savoir-faire vernaculaires, au sens qu'Ivan Illich donne à ce terme, des habitudes, des normes et des conduites allant de soi, grâce auxquelles les individus peuvent interpréter, comprendre et assumer leur insertion dans le monde qui les entoure. La nature, dont le mouvement exige la protection, n'est pas la nature des naturalistes, ni celle de l'écologie scientifique. C'est fondamentalement le milieu qui paraît naturel, parce que ses structures et son fonctionnement sont accessibles à une compréhension intuitive, parce qu'il correspond à un besoin d'épanouissement des facultés sensorielles et motrices, parce que sa conformation familière permet aux individus de s'y orienter, d'interagir, de communiquer spontanément en vertu d'aptitudes
qui n'ont jamais eu à être enseignées formellement. La défense de la nature doit donc être comprise originairement comme la défense d'un monde vécu, lequel se définit notamment par le fait que le résultat des activités correspond aux intentions qui les portent. Autrement dit, que les individus sociaux y voient, comprennent et maîtrisent l'aboutissement de leurs actes. Or, plus une société devient complexe, moins son fonctionnement est intuitivement intelligible. Et j'enchaîne. Ouais. Donc voilà, je veux dire le fil rouge de l'écologie. L'idée de réconciliation de l'homme avec la nature n'est apparue en Occident au moins que dans une phase tardive de la modernité. Si on la prend au sérieux et qu'on en fait la base d'une éthique, on aboutit à l'hindouisme ou au bouddhisme, c'est-à-dire aux formes d'une ascèse qui interdit toute intervention dans la nature, y compris tout travail corporel. Pour que la société subsiste, il faut alors que le travail soit pris en charge par des parias qui y sont condamnés de naissance. Ni les hommes, ni les animaux n'ont jamais vécu en paix avec la nature. La nature n'est pas paisible. C'est un système autorégulateur qui assure son équilibre et sa reproduction en laissant interagir d'innombrables sous-systèmes les uns avec et contre les autres, sans qu'aucun puisse jamais s'assurer une suprématie totale. L'humanité faisait partie de cet ordre naturel tant qu'elle se composait de chasseurs et de pêcheurs, pour qui l'idée de travail ne correspondait à aucune expérience réelle. Ce n'est pas parce qu'ils désiraient vivre en paix avec la nature qu'ils n'intervenaient pas dans ces cycles, mais parce qu'ils ne disposaient pas des outils qui auraient permis de telles interventions. La domination de la nature a commencé dès que les peuples sont devenus sédentaires et ont développé des outils efficaces. Certains vers, que j'appellerai religieux, résonnent comme si les interventions humaines dans les processus naturels étaient dues à la méchanceté des hommes. Comme si la bonne mère nature devait être traitée avec amour. Ce sont des sottises. Tous les êtres vivants sont, par nature, en lutte avec la nature. Tous dévorent, sont dévorés et se tiennent mutuellement en échec. Tous agissent sur leur environnement et le modifient en s'en nourrissant. Le propre de l'homme est sa capacité illimitée d'apprendre. Il est non naturel par nature. Il ne devient homme que par sa socialisation. Sans elle, il n'a pas de capacité naturelle innée. Il n'est pas génétiquement programmé pour vivre en harmonie avec la nature environnante. Son mode de vie ne deviendra compatible avec l'intégrité de celle-ci que s'il s'interdit certaines interventions dans les cycles naturels dont, à la différence d'autres espèces, la nature elle-même ne lui a pas interdit la possibilité. Tu peux aussi le dire de la façon suivante. Le rapport de l'homme à la nature n'est pas un rapport naturel, mais toujours un rapport culturel, fondé sur des conceptions métaphysiques ou religieuses, justes ou fausses. La question qui se pose à l'humanité et était déjà dans l'Antiquité, celle de l'auto-limitation. L'auto-limitation culturelle de ses besoins et de ses projets qui seule lui évitera de détruire les bases naturelles de sa vie. Dans les sociétés précapitalistes, cette auto-limitation allait de soi. Elle était exigée par l'ordre social. La concurrence, la maximisation des profits et des rendements était prohibée par la loi jusqu'au début du XVIIIe siècle. La raison instrumentale et, avec elle, la rationalisation économique étaient soumises aux restrictions rigoureuses qu'imposait le respect des normes traditionnelles et religieuses. Ces restrictions ont été supprimées par la révolution bourgeoise capitaliste en faveur de la société de marché, qui en réalité est une non-société. Actuellement, il s'agit de restreindre à nouveau les droits de la raison économique en la subordonnant à des buts écologiques et sociaux, sans pour autant renoncer aux libertés, aux droits des personnes, à l'autodétermination et à l'épanouissement.
Les êtres humains ne sont pas limités par nature et intégrés en elle comme les autres espèces. Ils ne peuvent pas être naturellement bons, faire partie naturellement d'un ordre naturel. Ils sont condamnés à être libres, disait Sartre. Il n'est pas de puissance, sauf la leur propre, capable de limiter leur liberté de manière qu'elle n'instrumentalise et ne détruise pas, ce faisant, la nature. Autrement dit, tu ne peux pas éliminer la capacité de penser mathématiquement, abstraitement. Tu peux seulement, comme l'a fait l'Église durant la contre-réforme, réprimer cette capacité par la violence. Il n'y a pas d'autre solution durable que de chercher à ce que les hommes traitent la nature avec compréhension, avec égard et avec soin, librement, par conviction, et qu'ils restreignent en conséquence les droits et les buts de la raison cognitive instrumentale, de la pensée mathématique quantifiante. La nécessité de l'auto-limitation et de la responsabilité individuelle et collective est d'autant plus grande que les techniques du calcul et l'usage d'ordinateurs sont plus répandues. S'élever contre l'informatisation et la microélectronique ne sert à rien. Elles ne disparaîtront pas. Il s'agit plutôt de produire une autre mentalité, une nouvelle subjectivité. L'écologie politique a permis d'avancer dans ce sens. Ce que la nature ou l'instinct interdit aux animaux, il faut que les hommes se l'interdisent eux-mêmes par sagesse. Du moins, les hommes modernes qui ont mordu dans la pomme de la connaissance, de l'émancipation, des libertés et droits de la personne. Merci beaucoup pour cet extrait de l'entretien en 1990. Hein, ce n'est pas une date totalement hasardeuse. Alors, j'aurais envie de poser une première question sous forme de boutade à Dominique et à Enzo. Alors, est-ce que vous êtes des vers religieux? Et pour reprendre la caractéristique de Denis Pargortz, et je relance aussi une question qui a été posée par Françoise Golin, donc qui est grande spécialiste, excellente spécialiste de Gortz, qui nous demande de préciser un peu la place de la pensée de Marx dans la trajectoire de Gortz, et en particulier par rapport à cette question du progrès. Bon, Enzo, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre plusieurs types de progrès? Est-ce que l'autonomie ne peut pas être pensée comme un progrès, par exemple? Et en rebondissant bien sûr sur les éléments qui viennent d'être lus. Alors je ne sais pas qui, Dominique peut-être pour commencer. Je peux peut-être commencer. Alors moi j'aurais déjà donné une première précision. Hein. Le texte qu'on appelle l'éloge du suffisant, en fait c'est la republication par les PUF avec un excellent commentaire de Christophe Gillian qui est un thésard de Géraldès. En fait, c'est une reprise du texte qui a dû être publié initialement dans Actuel Marx au début des années 90, c'est le 92 je crois, et sur l'expertocratie et auto-limitation. Et donc c'est simplement une façon de lui donner un autre titre, mais c'est ce texte-là, c'est ce même texte. Alors juste, je laisserai plutôt Enzo répondre sur les relations Marx. Là, simplement dans le passage qui vient d'être dit, on a une allusion, par exemple, très directe à Polanyi. Quand il dit que la société bourgeoise capitaliste n'est pas une société, c'est parce que précisément, elle n'encastre plus du tout le marché. Et en fait, c'est quelque chose d'extérieur à la société qui est la relation du marché qui emporte le mouvement, alors que dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, on a une espèce de, comment dire, de primat de la limite. Il y a sans doute un fondement anthropologique à ça, et lui parle justement d'auto-limitation, c'est-à-dire que ce n'est pas une limite qui va venir du dehors, c'est une limite en quelque sorte endogène, et c'est là toute la complexité quand même de l'œuvre de Gortz, et le fait que quand même elle est par certains côtés critiquable, parce que si vous voulez, moi alors je suis en désaccord total avec sa compréhension de la nature. Et pour moi, elle n'a même pratiquement absolument plus aucun sens aujourd'hui. Déjà, elle est très classique, elle est très liée à l'opposition nature-culture, elle est liée à tous les dualismes modernes qu'on s'efforce aujourd'hui, au contraire, de dépasser. En fait, si par culture, on entend le fait que pour une telle pratique dans différentes communautés humaines, on a une grande diversité, eh bien, il suffit simplement de voir que la même espèce d'oiseau va pouvoir faire, selon la région, son nid de façon très, très différente. Et il y a des cultures animales, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Là, et c'était un grand sujet de controverse avec lui, il restait profondément moderne. Cela dit, ce qui est très intéressant, c'est que sur le fond,
de cette modernité-là, ben, on se croisait totalement sur la question de l'autolimitation. C'est-à-dire comment on construit une autolimitation qui n'est pas aliénante. Mais c'est là la difficulté, parce que dans son fantasme, en quelque sorte, de l'homologie entre la nature dans sa spontanéité et puis une société correcte, c'est une société où tout le monde peut tout comprendre et où il n'y a aucune hétéronomie, ben, ça ne marche pas forcément comme ça. Pour qu'il y ait une véritable autolimitation, il faut un certain nombre de savoirs. Hein, par exemple, ben, le climat, qu'est-ce que je sais du climat par mon expérience personnelle? J'en sais pas grand-chose. C'est une construction, c'est un objet de science. Cela dit, ben, les modèles qui découlent de cette science nous permettent d'être pas complètement... Enfin, on n'a pas fait grand-chose, mais si on voulait vraiment les prendre au sérieux, on pourrait quand même parer des dangers qui peuvent être quasi mortels pour l'humanité. Donc, c'est ça qui est d'ailleurs l'intérêt dans l'œuvre de Gorz, c'est qu'elle arrive à un certain moment. Alors, toi, tu dis Gorz, non, c'est de manière un peu générale, un peu une écologie politique à la française, très différente de ce qui s'est passé dans le domaine germanique ou dans le domaine anglo-saxon, où la question de la nature, la question de nos relations à la nature, la critique de l'anthropocentrisme sont très présents dès le 19e siècle. Dans l'espace francophone, c'est très très récent, ça fait simplement une quinzaine d'années. Et ça, c'était un type d'interrogation, c'était des sujets qui étaient complètement étrangers à Gorz, comme ils sont étrangers à une approche marxisante d'ailleurs. Alors maintenant, pour quand même répondre à ta question sous forme de boutade, est-ce que je suis pour une écologie religieuse? Tout dépend de ce qu'on entend par religion. Hein. Si on entend par religion une espèce de corpus qui nous permet de décider d'un invisible. L'invisible, ça peut être de devenir révolutionnaire de l'humanité et d'en décider d'une façon dogmatique et absolument anti-pluraliste. Alors là, non, je ne suis certainement pas pour une écologie religieuse. Ce qui, en revanche, ce qui m'intéresse moi dans le domaine du religieux, dans le domaine de la spiritualité, c'est leur expression par définition diverse, pluraliste, et incompatible. Alors, en ce sens-là, oui, je serais peut-être plus proche, mon cher Antoine, d'une acception plus spirituelle, religieuse, je ne dirais pas, mais en tout cas au moins plus spirituelle de façon très claire. Oui. Merci. Enzo, à vous la parole. Du coup, pour prendre la balle au bond de Dominique sur le rapport vers religion, il me semble que si on essaie de penser l'écologie politique comme un projet politique, c'est-à-dire de capacité à relier les gens les uns aux autres, qu'il ne soit pas un projet libéral qui divise, qui fracture, mais qui relie autour de rites et autour d'un projet commun, il y a une dimension religieuse dans chaque projet politique, et donc l'écologie politique a une dimension religieuse. Par contre, à mon avis, la dimension, par contre, tous les projets politiques et toutes les pensées politiques, elle vise à souder une communauté. Par contre, là aussi, où peut-être Gorz, on peut aussi le tirer, aller le chercher, c'est sur le rapport au monothéisme. C'est que c'est l'État, l'industrie, impose une vérité, un process, un standard, une façon de faire, et que là, il y a un chemin qui est non négociable, there is no alternative, comme on l'a entendu tous maintes fois, et que justement l'écologie politique, par son travail, ben, en plus Gorz qui fait sur la santé, quand il va dire oui, mais on va déconstruire, il y a santé contre-productive et santé hygiène et environnementale qui est hyper intéressante, il réouvre des imaginaires, il réouvre des possibles, et il va questionner des imaginaires, les faire dialoguer entre eux, et justement c'est là aussi que se reglisse du politique, c'est de l'arbitrage, de l'équilibre, c'est toujours tenir un peu différents imaginaires, et que par contre il n'a pas un rapport monothéiste à la politique, à mon avis. Après, sur le rapport à l'autolimitation, je rejoins aussi assez ce qu'a dit Dominique, c'est qu'il y a deux ambitions. Enfin, je pense que André Gorz, en effet, il est un petit peu... pour moi, il aborde la nature. Quand il réfléchit sur l'angle de la nature comme un objet en tant que tel, ce n'est pas forcément son hyper point fort, parce que lui, il pense la nature, enfin, ce qu'il appelle, ce qu'on nous voit comme être nature chez lui, ce qu'il appelle son monde vécu, c'est le dernier cercle concentrique d'une trajectoire de reconstruire de l'habiter, de reconstruire la souveraineté, de se rapprocher d'échelle en échelle. Et donc, ce faisant, quand il se met à l'intérieur de ce schéma-là, il a une pensée de la nature qui est tout à fait percutante et forte et alignée avec les raisonnements de la biologie qu'on voit un peu aujourd'hui, à savoir que tout est lié, il n'y a que des échelles de continuité et jamais de rupture entre l'humain et la nature. Donc, quand il se met à l'intérieur de son schéma de pensée qui est par cercle concentrique, j'habite le monde, là, on voit qu'il y a une pensée politique de la nature qui est alignée ou en tout cas en cohérence avec ce que peuvent nous dire les anthropologues de Descola à Bruno Latour dans son dernier bouquin notamment. Là, on voit qu'il y a un alignement de pensée sur le rapport à la nature. Par contre, quand il prend la nature en tant que telle comme objet, là, forcément, il construit un clivage parce qu'il bâtit toute sa théorie politique comme n'étant pas une pensée de Gaïa et de la planète avec des courbes climatiques dont il faudrait suivre les évolutions. Là, en effet, ce n'est pas son objet d'étude. Et donc, il bâtit un clivage avec cette nature-là,
cette conception de la nature-là, mais qui est un petit peu bloquante, parce que après, c'est une question aussi de choix politique et de projet politique. Est-ce qu'on se dit que le but du jeu, c'est d'auto-limiter l'homo economicus ? Est-ce qu'on se dit que le but du jeu, c'est de contraindre, de corseter cet individu produit par le capitalisme, produit par la société moderne, qui va dire qu'en fait, ce qui vient civiliser la civilisation, c'est l'accumulation tranquille, le commerce, c'est le recul des valeurs publiques dans la sphère privée et les valeurs du marché dans la sphère publique, qui est la base du libéralisme ? Est-ce qu'on se dit que le but du jeu là, c'est de corseter l'homo economicus, ou est-ce qu'on se dit, comme il le dit lui-même, le but du jeu est de fonder une nouvelle subjectivité qui considère que l'homme n'est non pas bâti sur un rapport à la rareté dont il s'agirait de s'extraire à grands coups d'accumulation, à grands coups d'industrie, à grands coups de production par l'État, mais au contraire qui est bâti sur d'autres valeurs, d'autres systèmes de pensée, comme dans l'Antiquité par exemple, enfin jusque pendant toute l'histoire de la civilisation, sauf avec la fracture de la modernité. Donc là voilà, c'est tout le choix. Où est-ce qu'on met l'objet politique, où est-ce qu'on met la stratégie politique? Est-ce que c'est contenir, domestiquer l'homo economicus, ce qui revient au final à faire de le nommer l'homo economicus un invariant sur lequel on ne peut pas travailler, qui est un donné de la nature, enfin une essence qui serait indépassable? Ou est-ce qu'au contraire, on va challenger la conception même de l'individu en disant non, il peut y avoir des conceptions de l'individu qui ne sont pas égoïstes, accumulateurs, consommateurs, productivistes, comme l'est l'homo economicus? Et là, c'est là qu'il y a un sujet, il y a typiquement un sujet qui émerge de l'écologie politique, qui est un individu qui ne soit pas vorace, qui ne soit pas prédateur, mais qui soit justement conscient de ses différents cercles autour de lui et qui agit conscient de ses différents cercles autour de lui. Et je pense que là, je ne sais pas si je réponds maintenant à Madame Gollin, parce que on peut faire un pont là avec Marx. C'est que le Marx, en tout cas là, je parle aussi sous le contrôle de Dominique et de vous tous, il y a plusieurs Marx. Et que le Marx qui va inspirer Gorns, c'est celui que vous avez cité tout à l'heure, Laure, dans votre première lecture, c'est celui des Grundis, que Jean-Marie Vincent lui a un peu acculturé à ces questions-là. Et les Grundis, c'est les écrits de jeunesse de Marx, en 1868, je crois, un peu plus avant, où là, il a une pensée de l'autonomie politique, il a une pensée de l'autonomie, de la polyvalence de l'individu, qui n'est pas basée sur le travailleur à émanciper pour conquérir les moyens de production, qui est un Marx qui va dire déjà un peu plus moderne, un peu plus tourné vers l'accumulation, vers l'industrie, mais un Marx qui a 20 balais quand il écrit Le jeune Marx. Il dit en fait, il faut penser un système politique qui permet d'être chasseur le matin, cueilleur à midi, pêcheur le soir, de pouvoir jongler entre différentes activités de travail tout au long de la journée. Et le but de la société, le capitalisme, ce premier capitalisme de Marx, c'est de permettre à l'individu, la société doit permettre à l'individu de maîtriser son destin, de maîtriser ses activités, de ne pas être tenu par une rationalité économique et de pouvoir alterner les activités et de ne pas être monotache comme peut l'être le travailleur issu qui va à l'usine, le prolétaire qui va à l'usine. Donc il y a une pensée de la liberté comme ça dans les premiers Marx, que Gorz va réactiver. Et donc là, on peut voir une relation de continuité entre Gorz, en tout cas, qui vient de puiser dans ce premier Marx. Après, on verra ça peut-être dans la partie qui va venir sur le travail, notamment, sur comment il y a une tension entre ce que le Marx un peu moderne qui veut libérer le travailleur, le prolétaire à l'intérieur du travail, et Gorz qui diagnostique que l'aboutissement de la société capitaliste, c'est une remise en cause du travail et c'est la libération du travail, non pas dans le travail, mais du travail. Oui, merci Enzo. Alors, juste petite précision, Les Grundrisse, c'est un texte de 1856, donc Marx était précoce, mais là, il a quand même un certain âge. Mais disons, le rapport de Marx à Gorz, on va y venir avec l'extrait suivant. Il se joue en plusieurs morceaux, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un premier morceau dans les années 50, mais surtout 60, avec des textes qui aujourd'hui sont très largement oubliés de Gorz, Stratégie ouvrière et néo-capitalisme, le livre qui a été réédité sous le titre Réforme et révolution, etc. Et puis après, il y a effectivement un tournant dans les années 80, suite en effet à des discussions avec Jean-Marie Vincent, et c'est aussi une question qui a été posée avec la pensée de Robert Kurz, donc ce qu'on appelle la critique de la valeur, et qui va déboucher vers les grands textes des années 80, qui en fait aujourd'hui sont les textes sur ces questions-là qui sont les plus connus de Gorz, notamment en 88, Métamorphose du travail. Donc je vous propose maintenant d'entendre une lecture relativement détaillée et longue de la dernière partie des Métamorphoses du travail, qui est en fait un résumé, comme il le dit lui-même, à l'attention des syndicalistes. J'essaie de retrouver le titre exact. Voilà, c'est résumé à l'intention de syndicalistes et autres militants de gauche. Donc ce grand texte qui fait 300 ou 400 pages est résumé en quelques dizaines de pages à la fin. Donc c'est un texte de 1988, mais qui a été réédité en folio en 2004, je crois. Donc maintenant, je redonne la parole à Laure et à David pour la lecture. Merci. Pour le resituer très très rapidement, dans les années 70, Gérard et Dorine ont beaucoup voyagé.
Il travaille beaucoup. Et il travaille beaucoup. Dorine monte le service des droits d'auteur étrangers chez Galilée, qui édite Gérard. Et lui, Gérard est dans ses plus belles heures à l'Obs. Il voyage en 1973 en Californie, notamment chez Marcuse. Et quelques temps avant de partir, elle découvre qu'elle a un cancer de l'utérus. Ils sont là-bas en Californie, à San Francisco. Ils se baladent sur le bord du Pacifique. Et un jour, Gérard fait une photo d'elle. Et il écrit dans ses notes qui sont à l'IMEC, Institut de mémoire des éditions contemporaines, qu'il espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'il la prend en photo. Et il prend ce jour-là, en 73, la décision que s'il lui arrivait quelque chose de grave, il ne voudrait pas lui survivre. Et au retour de ce voyage, elle subit une ablation d'utérus et puis elle guérit. Ils décident, à leur retour en France, de déménager de la maison dans laquelle ils vivaient alors et d'arrêter de travailler. Gortz décide de prendre sa retraite, notamment du Nouvel Obs. Et Gérard et Dorine s'installent à Vaunon, à côté de Troyes, dans l'Aube, au 30 Avenue de France. Et c'est là qu'ils commencent à travailler, notamment sur Métamorphose du travail, qui finira par publier en 1988, dont on vous a dit un mot. Et je voudrais juste lire, Gortz cite Hannah Arendt au tout début de son ouvrage. Ce que je propose dans les pages qui suivent, c'est de reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Il s'agit là évidemment de réflexion, et l'irréflexion me paraît une des principales caractéristiques de notre temps. Ce que je propose est donc très simple, rien de plus que de penser ce que nous faisons. Le travail à but économique n'a pas toujours été l'activité humaine dominante. Il n'est dominant à l'échelle de toute la société que depuis l'avènement du capitalisme industriel, il y a environ 200 ans. Avant cela, dans les sociétés prémodernes, au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, de même que dans les sociétés précapitalistes qui subsistent aujourd'hui, on travaillait moins, beaucoup moins même, que de nos jours. À tel point que les premiers industriels au XVIIIe et XIXe siècle avaient les plus grandes difficultés à contraindre leur main-d'œuvre à venir travailler toute la journée durant, jour après jour. Les premiers patrons de manufactures ont fait faillite à cause de cela. C'est dire que ce que les Anglo-Saxons et les Allemands appellent l'éthique du travail et la société du travail sont choses récentes. Le propre des sociétés de travail, c'est que le travail est considéré tout à la fois comme un devoir moral, comme une obligation sociale, et comme la voie vers la réussite personnelle. L'idéologie du travail tient pour acquis que plus chacun travaille, mieux tout le monde s'en trouve, que ceux qui travaillent peu ou ne travaillent pas portent un préjudice à la collectivité et ne méritent pas d'en être membre, que qui travaille bien réussit socialement et que qui ne réussit pas porte en lui-même la faute. Beaucoup d'entre nous restent profondément imprégnés par cette idéologie et il n'est pas de jour qu'un homme politique, de droite ou de gauche, ne vienne nous exhorter au travail en affirmant que c'est par le travail que nous surmonterons la crise présente. Pour vaincre le chômage, ajoute-t-on, il faut travailler plus et non pas moins. En réalité, l'éthique du travail est devenue caduque. Il n'est plus vrai que pour produire plus, il faut travailler plus, ni que produire plus conduit à vivre mieux. Le lien entre plus et mieux est rompu. Car pour beaucoup de produits ou services, nos besoins sont largement couverts, tandis que beaucoup de nos besoins insatisfaits seront comblés non pas en produisant plus, mais en produisant autrement, autre chose, voire en produisant moins. Cela vaut en particulier pour nos besoins d'air, d'eau, d'espace, de silence, de beauté, de temps, de contact humain. Il n'est plus vrai non plus que plus chacun travaille, mieux tout le monde s'en trouve. La crise présente a impulsé une mutation technique d'une ampleur et d'une rapidité sans précédent, la révolution microélectronique. Celle-ci a pour effet et pour but des économies de travail rapidement croissantes dans l'industrie, aussi bien que dans les administrations et services. Des productions croissantes y sont assurées avec des quantités de travail décroissantes. Il en résulte que le processus social de production n'a plus besoin que tout le monde y travaille à plein temps. L'éthique du travail en devient impraticable et la société de travail est en crise. Ce qui était utopique au début du siècle dernier cesse en partie de l'être aujourd'hui. Le processus social de production, l'économie, requiert de moins en moins de travail salarié. La subordination au travail salarié et au but économique de toutes les autres activités et fins humaines perd son sens et sa nécessité.
l'émancipation par rapport à la rationalité économique et marchande devient possible. Elle ne se réalisera que par des actions qui non seulement la prennent expressément pour but, mais en illustrent la possibilité. L'action culturelle, le développement d'activités alternatives prennent une importance toute particulière dans ce contexte. La libération du travail à but économique par réduction de sa durée et le développement des autres types d'activités, autorégulées et autodéterminées, sont seuls susceptibles de conférer un sens positif aux économies de travail salarié qui découlent de la révolution technique en cours. Le projet d'une société du temps libéré, où tout le monde pourra travailler, mais travailler de moins en moins dans un but économique. Ce projet est le sens possible du développement historique présent. Il peut donner une cohésion et une perspective unifiante aux différentes composantes du mouvement social, car 1. Il surgit dans le prolongement de l'expérience et des luttes ouvrières passées. 2. Il dépasse cette expérience et ses luttes vers des objectifs conformes aux intérêts des travailleurs aussi bien que des non-travailleurs et peut donc cimenter leur solidarité et leur volonté politique commune. 3. Il correspond à l'aspiration d'une proportion importante d'hommes et de femmes à reprendre le pouvoir sur et dans leur vie. La présente révolution technique conduit à des économies de travail dont l'ampleur est souvent sous-estimée. Dans l'industrie, la productivité augmente depuis 1978 de 5 ou 6% par an. Dans l'ensemble de l'économie, elle augmente de 3 à 4% par an. La production de biens et services marchands, elle, croît de 2% à peine par an. Autrement dit, sans cesser de croître légèrement, l'économie diminue tous les ans d'environ 2% la quantité de travail dont elle a besoin. Cette économie nette de travail promet de s'accélérer d'ici à la fin du siècle, grâce notamment au perfectionnement prévisible en matière de robotique et de bureautique. Mais même sans accélération, les besoins de travail dans l'économie auront diminué d'ici 10 ans d'au moins 22%. D'ici 15 ans, ils auront diminué d'environ un tiers. Les perspectives sont donc les suivantes d'ici au début du XXIe siècle. Ou bien les normes actuelles de travail à plein temps sont maintenues et aux 10 à 20% de chômeurs actuels s'en ajouteront 35% supplémentaires, ou bien la durée du travail à but économique est réduite en proportion des économies de travail prévisibles et nous travaillerons 30 à 40% d'heures en moins, voire moitié moins, si tout le monde doit pouvoir trouver un travail rémunéré. Des solutions intermédiaires sont évidemment envisageables, mais la solution optimale est évidemment celle qui permet à chacun et à chacune de travailler, mais de travailler moins, de travailler mieux, et de recevoir sous forme de revenus réels croissants sa part de la richesse croissante qui est socialement produite. Cela suppose que la durée du travail, qui est actuellement d'environ 1600 heures par an, soit ramenée par palier, de façon programmée, à environ 1000 heures dans 15 à 20 ans, sans diminution du niveau de vie, au contraire. Cela requiert un ensemble de politiques spécifiques, et en particulier une politique sociale qui fasse dépendre le pouvoir d'achat non pas de la quantité de travail fourni, mais de la quantité de richesse socialement produite. Pour la première fois dans l'histoire moderne, le travail payé pourra donc cesser d'occuper le plus clair de notre temps et de notre vie. La libération du travail devient pour la première fois une perspective tangible. Mais il ne faut pas sous-estimer ce que cela implique pour chacun de nous. La lutte pour une réduction continue et substantielle de la durée du travail payé suppose que celui-ci cesse progressivement d'être la seule ou même la principale occupation de notre vie. Il devra cesser d'être notre principale source d'identité et d'insertion sociale. Des valeurs autres que les valeurs économiques, des activités autres que celles fonctionnelles, instrumentales, salariées que nous commandent les appareils et institutions sociaux, devront devenir dominants dans la vie de chacun. Cette mutation de la société et de la culture exige de chaque personne un travail sur soi, auquel elle peut être incitée, mais qu'aucun État, gouvernement, parti ou syndicat ne peut faire pour elle. Elle exige que nous trouvions à la vie un autre sens que le travail payé, l'éthique professionnelle, le rendement, et aussi que des luttes autres que celles qui ont pour contenu le rapport salarial gagnent en importance. L'ensemble de ces chantiers et de ces changements culturels est d'une ampleur telle qu'il serait vain de les proposer s'ils n'allaient dans le sens d'une mutation déjà en cours. En une période où le travail à plein temps de tous est de moins en moins nécessaire à l'économie, la question « travailler pourquoi ?»
à quoi prend une importance centrale. Elle seule peut nous protéger contre une éthique de l'effort pour l'effort, du produire pour produire, qui trouve son achèvement dans l'acceptation de l'économie de guerre et de la guerre elle-même. Lorsque la durée du travail est ramenée à moins de 25 ou 30 heures par semaine, le temps disponible peut être rempli par des activités que l'on entreprend sans but économique et qui enrichissent la vie de l'individu et du groupe. Tâches culturelles et esthétiques tendant à éprouver et à donner de la joie, à embellir et cultiver le cadre de vie. Activités d'assistance, de soins, d'entraide, tissant un réseau de solidarité et de raison de relations sociales dans le quartier ou la commune. Développement des rapports d'amitié et des échanges affectifs. Activités éducatives, artistiques. Réparation et autoproduction d'objets et d'aliments pour le plaisir de faire soi-même et de préserver, de transmettre des choses auxquelles on peut s'attacher. Coopératives d'échange, de services, etc. Une part appréciable des services qui sont actuellement rendus par des professionnels, des entreprises commerciales ou des institutions publiques pourront de la sorte être assumés par les individus eux-mêmes en tant que membres de communautés de base, volontairement et conformément aux besoins qu'ils auront eux-mêmes définis. L'ensemble de ces activités ne doit pas être compris comme un secteur économique alternatif, constitutif d'une économie duale. Ces activités n'ont par essence pas de rationalité économique et se situent au-delà et en dehors de la sphère de l'économie. Leur accomplissement n'est pas le moyen de parvenir à un résultat, à une satisfaction. Il produit directement lui-même ce résultat, cette satisfaction. Le temps consacré à la musique, à l'amour, à l'éducation, à la création, etc., est le temps de la vie elle-même. Il n'a pas de prix auquel il puisse être vendu ou acheté. L'expansion du temps de la vie et la réduction du temps consacré aux travaux nécessaires ou à finalité économique a été un but constant de l'humanité. Les créateurs et pionniers sont généralement des touche-à-tout qui ont des centres d'intérêt, des occupations très variées et changeants. Einstein a conçu la théorie de la relativité durant les loisirs que lui laissait son travail à plein temps à l'Office des brevets de Berne. La revendication d'un abaissement de la durée du travail à 32, 28, 24 ou 20 heures par semaine, sans perte de revenus réels, peut être soutenue par des actions collectives et surtout réaliser l'union des travailleurs, des chômeurs et de ceux particulièrement nombreux, chez les femmes, chez les jeunes, qui souhaitent que leur emploi s'intègre dans la vie personnelle au lieu d'exiger le sacrifice de celle-ci. À la différence du revenu social, qui compense tant bien que mal une situation d'exclusion sociale et économique, la réduction de la durée du travail répond à une triple exigence de justice. Il faut que les économies de travail que permet la mutation technique bénéficient à tout le monde. Il faut que tout le monde puisse travailler de moins en moins afin que tout le monde puisse travailler. Il faut que la décroissance de la durée du travail n'entraîne pas de décroissance du revenu réel, puisque plus de richesses sont produites par un moindre travail. Il ne s'agit pas ici, comme dans le minimum social garanti, d'un revenu octroyé par l'État à ceux et celles qui ne trouvent pas d'emploi rémunéré régulier, mais du revenu normal rémunérant la quantité normale de travail dont l'économie a besoin de chacun et chacune. Le fait que cette quantité de travail est si faible que le travail peut devenir intermittent et n'être qu'une occupation parmi d'autres n'a pas à faire obstacle à sa rémunération par un plein revenu mensuel, toute la vie durant. Ce revenu correspond à la part de richesse socialement produite qui revient à chacun et chacune en raison de sa participation au processus social de production. J'ai essayé de dégager le sens que l'histoire peut avoir, le parti que l'humanité et que le mouvement syndical peuvent tirer de la révolution technique en cours. J'ai essayé d'indiquer dans quelle direction il faudrait avancer, quelle politique il faudrait mener pour que ce sens s'actualise. Les événements peuvent toutefois prendre un cours qui nous fera manquer le sens possible de la mutation actuelle. Et dans ce cas, je ne lui en vois pas d'autre. Nos sociétés continueront à se décomposer, à se segmenter, à descendre la pente de la violence, de l'injustice et de la peur. Merci beaucoup pour ce long passage du résumé, mais qui était nécessaire pour comprendre les positions de Gortz. Moi, j'aurais peut-être deux ou trois commentaires au départ. Le premier point qui permet de comprendre, en fait, c'était le tout début de l'extrait, de comprendre l'évolution de Gortz, c'est qu'il est passé de la
position traditionnelle des syndicats et des partis de gauche de l'idée d'une libération par le travail à la libération du travail. Et ça, ça va complètement dans le sens de son rapprochement de Jean-Marie Vincent, avec Jean-Marie Vincent, et en effet de retour à un Marx un peu inconnu ou méconnu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'appel à la réduction du temps de travail, son appel très fameux, parce que c'est un point qui répète jusqu'à sa mort et qui est souvent réutilisé aujourd'hui, il faut quand même le mettre en relation avec la situation actuelle, c'est-à-dire au contraire d'avoir vécu ou assisté à une réduction progressive, peut-être trop lente, mais néanmoins progressive du temps de travail, on assiste exactement à l'inverse, et notamment avec ce phénomène d'ubérisation de la société et du travail, c'est-à-dire que au lieu de réduire le nombre d'heures de travail normal, moyen, etc., tel que Gortz le demandait en 88, en réalité, les gens cumulent 2, 3, 4 emplois, 4 emplois parallèles. C'est très clairement le cas aux États-Unis, ça commence à le devenir en Europe, et là, la situation de pandémie a aggravé la chose, et ça me conduit vers mon troisième commentaire, c'est que la toute fin de la conclusion du texte que vous avez lu, c'est Rosa Luxembourg, hein, c'est socialisme ou barbarie, ou éco-socialisme ou barbarie, disons. C'est-à-dire que Gortz laisse toujours ouvert le cours historique, c'est-à-dire ça peut très mal se passer, on peut aller vers la barbarie, et ça ne dépend que de nous, d'une certaine manière. Donc je ne sais pas si Enzo peut-être par rapport à ces points ou par rapport à d'autres points du texte qui a été lu, bien sûr. Dans le prolongement de ce que vous dites, on retombe là encore sur le même style intellectuel d'André Gortz, qui est de démystifier et de remettre du sens et de faire une déconstruction de ce qu'on appelle le travail. Donc il remet ça en perspective historique, il remet ça sur l'histoire de la civilisation occidentale et il l'interroge. Donc il cite longuement Hannah Arendt, qui distinguait elle aussi différentes catégories de travail, justement en mettant le paquet sur si on veut que les individus soient libres, il faut qu'ils soient organisés de telle façon, de telle façon, de telle façon, que l'entretien nécessaire de la vie ne prenne pas trop de temps, que les œuvres artistiques qui permettent de donner du sens à l'œuvre, à la vie, soient un peu conséquentes, et que les partis politiques et qui fondent la cité soient elles aussi encore plus dominantes pour qu'il y ait ce nécessaire, ce rapport à l'œuvre et à la politique qui soit aligné pour bâtir des citoyens un peu autonomes. Gortz, il est un peu sur ce schéma-là lui aussi, donc il démystifie ce que la modernité amalgame dans les catégories de travail, qui tend de plus en plus à devenir synonyme de activité. Quelqu'un en activité, c'est quelqu'un qui travaille. Donc il dit non, en fait, le travail, ça a une histoire. Et donc il relie l'histoire de la société occidentale en disant, en remettant en perspective, et ça c'est un point de vue qui est assez fort de sa part, de dire que si on se replace en perspective par rapport à la société primitive, antique, prémoderne, moderne aujourd'hui, c'est la longue histoire de la victoire du travail. Ou quand il s'appuie sur, je crois qu'il le cite, ou je ne sais pas s'il le cite, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un voisin de palier idéologique sur ce point-là, l'anthropologue anarchiste américain Marshall Salins, qui travaille dans son ouvrage Âge de pierre, âge d'abondance, il travaille sur le rapport à l'économie et au travail dans les sociétés primitives. Et il montre en effet que les sociétés primitives n'étaient pas des sociétés de travail, avec une économie, encore une fois, qui sert de tiers pour mobiliser les gens et les mettre au travail. Il n'y avait pas de catégorie économie comme nous on l'entend, donc il n'y avait pas de travail. Il y avait des primitifs qui vivaient en tribu et qui se débarrassaient du nécessaire le plus rapidement possible pour retourner prier, jouer, faire ce qu'ils veulent. Et donc il y avait un rapport de compression du travail et de défiance par rapport à l'activité économique d'accumulation de travail ou d'entretien de la vie du nécessaire. Les antiques étaient aussi évidemment sur cette organisation-là de la société, puisque les travailleurs, les laborants, ceux qui n'étaient pas tournés vers les activités entre guillemets nobles, étaient les esclaves, donc n'étaient même pas des citoyens, n'étaient pas des égaux du reste de la société. Et ceux qui ne produisaient pas de richesse, mais qui étaient là pour en dépenser, en consommer, et en brûler, et en dilapider, c'était les citoyens qui faisaient la guerre, faisaient du théâtre, donc faisaient des activités qui ne produisent pas de valeur économique utilitariste, mais consomment de la valeur. Et que à la suite de la révolution protestante, et donc dans ce pas-là, après que se met le capitalisme et notre petite histoire aujourd'hui, le travail s'émancipe, se libère, et les forces de productivité deviennent, comme il le dit lui-même, l'éthique, le pilier, le totem qui rassemble notre communauté. Et on voit que c'est le paradoxe qui pointe, c'est qu'au moment où ce totem est grandissant, où il sature tout l'espace de notre société, où on se demande en fait quand est-ce qu'on ne travaille pas, et le télétravail va nous poser des questions sur ça dans pas trop longtemps à mon avis, mais quand on s'interroge en fait, quand on est réveillé, ça veut dire qu'on travaille, et on en vient à peu près à ce point-là, mais ce qui pointe, c'est plus ça devient le totem central, plus ça se dissout dans la société, où c'est là qu'il a considéré être la volatilisation du travail, et ça reprend un schéma marxiste sans être avec les catégories de Marx parce qu'il n'y a plus de travail, l'émergence d'un non-prolétariat,
d'un nombre d'acteurs de l'histoire qui sont toutes ces populations, toutes ces marges, mais qui sont majoritaires, donc en fait, ce n'est plus vraiment des marges, de gens qui ne travaillent plus, qui sont désœuvrés, qui sont sans travail, qui sont retirés du marché du travail. Tous ces millions de chômeurs et ceux qui ne sont même plus considérés comme étant pouvant être comptabilisés comme des chômeurs. Et ces gens-là, lui, il dit, ça, c'est le nouveau sujet historique, c'est la nouvelle catégorie sociale qui peut changer la donne, parce que ces gens-là ne croient plus au travail, ne sont plus intégrés dans l'éthique de la valeur travail. Et donc, ces gens-là, on peut construire avec eux un nouveau projet de société. Et donc, il s'appuie sur ces gens-là, sur ces exclus, sur ceux qui ne sont plus comptés, sur ceux qui sont en dehors des radars, pour bâtir cette, et qui sont majoritaires, pour bâtir cette société-là. Et après, il a une architecture très forte de la société, très belle, qu'il a fait reposer sur trois points. D'un côté, donc quand on regarde l'échelle de la société, la population qui la compose, il y a un petit cœur hyperactif qui pédale toujours plus vite pour maintenir son job, pour être toujours ne pas se faire virer, être pressuré, et qui sont victimes du burn-out. Donc, il y a un petit cœur de la population qui galope pour tenir. Il y a une catégorie autour d'elle qui est souvent des publics féminins ou immigrés, qui sont les nouveaux domestiques, des gens qui sont au service d'eux, des premiers qui vont galoper, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants, de faire leur ménage, de faire leurs courses, ou d'aller chercher à manger. Donc, en fait, c'est des mecs à vélo qui viennent pédaler chez eux pour leur apporter à manger. Voilà, c'est ce que nous vend la Macronie comme étant de la modernité, mais en fait, non, c'est l'ubérisation et c'est de la nouvelle domesticité. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Et la troisième, c'est ce peuple, ce non-acteur. Enfin, c'est des gens qui sont dissous, donc, enfin, qui ne sont pas considérés, les surnuméraires. Donc, on retombe là sur la figure du surnuméraire, qui était fondatrice chez Gordes avec la figure dans Le Traître, où il se sentait lui-même au départ surnuméraire. Donc, il y a les surnuméraires qui deviennent majoritaires, et quand les surnuméraires deviennent majoritaires, il y a un sujet politique. Et c'est pour ça que c'est le troisième point, je termine sur ça, j'étais un peu long, désolé, qui repositionne la stratégie politique et qui repositionne le politique comme n'étant pas au service des forces de production, de libérer la valeur ajoutée, de libérer la capacité productive de la société, de créer un nouveau yuan tous les ans, ce n'est pas le projet, ce n'est pas l'intérêt du politique. Il repositionne le politique comme étant un clivage, un affrontement entre les activités autonomes, celles qu'il faut qu'on organise pour travailler, enfin pour... à travailler, mais pour faire ensemble, produire des valeurs intellectuelles ensemble ou faire des choses ensemble qui ne soient pas de l'utilité économique immédiate. Donc, un affrontement entre ces activités-là et l'activité industrielle, ce qu'il appelle l'hétéronomie, qui vient nous mettre au service de la machine, qui nous fait de nous des activités des producteurs. Donc, il y a une tension entre nous, producteurs, et nous qui voulons faire autre chose que produire, et le politique s'insère là. Et je voulais juste vous lire un très court extrait de Adieu au prolétariat, où il repositionne en quelques phrases le politique, où il dit « Désormais, nous savons qu'il n'y aura plus de bon gouvernement, de bon État ou de bon pouvoir, et que la société ne sera jamais bonne par son organisation, mais seulement en raison des espaces d'auto-organisation, d'autonomie, de coopération et d'échanges volontaires que cette organisation offre aux individus. » Voilà qu'il y a un glissement, en plus qui est un peu contre-intuitif par rapport à toute la pensée de gauche classique qui voit la politique comme étant l'interventionnisme pour la justice sociale, pour apporter des solutions industrielles nouvelles, pour relancer par la consommation, nous disait Keynes, l'appareil économique. Lui dit non, maintenant la stratégie politique et le bon gouvernement, c'est celui qui va tolérer des espaces qui ne sont pas gouvernés, où les gens font autrement, d'autres modes de vie. On rebascule sur ce que je disais tout à l'heure sur le rapport non monothéiste à la religion, c'est qu'en fait il y a d'autres modes de vie qui peuvent exister dans la société et que le but du pouvoir, c'est de les faire organiser. Et donc ça, il y a un des héritiers, enfin des centaines d'héritiers de Gordes, mais il y a des héritiers qui ne se revendiquent pas forcément de lui parce qu'ils ne sont pas en train de se chercher des pères fondateurs, mais tout ce qui se passe dans les ZAD interroge justement ce rapport-là de reconquête des imaginaires, reconquête des modes de vie, reconquête du rapport dans une journée du travail à la production, à la liberté, à l'activité familiale, aux activités pour les gamins, comment on prend soin de nos vieux. Là, il y a l'échelle de la ZAD, il y a se repositionne ce clivage-là entre le poids de l'État, le poids de la machine économique, et des individus qui s'organisent pour vivre autrement. Merci Enzo. Dominique, je te laisse la parole. Oui, un complément simplement. En fait, dans ce qu'on a lu, il y a deux choses. Déjà, il ne faut pas oublier qu'on est au début des années 90, hein, en tout cas dans la décennie, cette décennie-là. Il y a d'un côté, les deux sont liés à ce qu'on appelle la sortie des Trente Glorieuses. Mais il y a deux aspects qui sont très différents. Dans l'un, effectivement, il y a une métamorphose du travail qui vient d'être soulignée, mais en même temps, et ce n'est pas exactement la même chose, même si les deux se recouvrent, il y a la compréhension que la logique linéaire qui était celle des Trente Glorieuses ne fonctionne plus. C'est-à-dire que l'augmentation des forces productives, l'augmentation du PIB, ça ne débouche pas forcément sur un accroissement du bien-être, alors que c'était rigoureusement le cas pendant les années 50, les années 60, jusqu'au début des années 70. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu plus ce qu'on appelle la pensée écologique, encore que, comme vient nous le dire Enzo, on a aussi, et ça, ce n'est pas encore très sensible au début des années 90, mais on a, pas une mise hors course, mais on a une marginalisation des États
et ceux qu'il pointe du doigt en disant qu'il pédale de plus en plus vite, ils sont vraiment très liés d'ailleurs à une forme de société internationale qui est très globalisée et qui ne fonctionne qu'en marginalisant les États, à laquelle on répond effectivement en reconstruisant du local. Maintenant, sur la question du travail à proprement parler, il n'y a pas que la question la métamorphose du travail ou la libération du travail, parce que la question de la libération du travail, on voit bien, c'est une imagination de l'activité. Et donc ça, la différence entre travail et activité reste quelque chose de très important. Et dans les Grundrisseux qui ont été cités tout à l'heure, ou dans d'autres textes de Genèse de Marx, on a le fantasme. En fait, dans le Marx de la maturité, je ne sais plus quel était cet inspecteur de l'industrie anglaise de l'époque qui l'a beaucoup influencé, mais on a une logique effectivement d'automatisation, et on pense que cette logique d'automatisation, elle va déboucher sur une libération maximale du temps libre. Et dans la société libérée, la société entre le socialisme et le communisme, c'est une société où on n'alloue qu'un tout petit temps de sa vie aux activités. C'est pas sans rejoindre d'ailleurs de ce côté-là Marshall Science, mais c'est le moment où on s'épanouit, où chaque individu peut devenir l'homme générique, c'est-à-dire qu'en lui-même, il peut totaliser les types d'expériences qui sont très très différents. Là, dans la réalité qu'on vit aujourd'hui, ça n'a franchement rien à voir avec ça. On en est très loin et on reste un petit peu dans le noir, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la logique, on est confronté à une espèce de fragmentation de la société et elle ne fonctionne pas sans cette fragmentation. C'est-à-dire la société ne fonctionne pas sans ceux qui pédalent très très vite. Alors, quand bien même il sera un petit peu plus réduit, s'il ne continue pas à pédaler, c'est l'ensemble aussi qui peut s'effondrer. Et puis justement, puisqu'on aborde cette question de l'effondrement, on peut la lire aussi dans l'espèce d'inversion de la logique productiviste, hein, c'est-à-dire que pendant 20 ans, cette logique-là produit une forme de bien-être de masse, et en fait, aujourd'hui, elle est très destructive des conditions de viabilité sur Terre. Et on voit bien que la réflexion de Gorz, elle est sur les deux, et Illich est déjà sur les deux, et puis comme vous le savez, il va décéder une dizaine d'années après, et donc il n'avait évidemment par définition pas le recul qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà, simplement c'est juste ce petit complément. Merci Dominique. Il y a une question que je vous donne quand même, alors la réponse est difficile à faire en deux minutes, mais quelqu'un se demande se questionne sur les moyens d'initier concrètement cette transition vers une autre vision du travail. Alors moi, le premier élément de réponse que je ferais tout de même, c'est que le résumé dont on a entendu des extraits, c'est un résumé à l'intention de syndicalistes et autres militants de la gauche. Donc il faut des organisations. Et s'il y a une chose qui marque l'histoire de l'Europe et d'ailleurs de l'Amérique du Nord aussi depuis 88, c'est l'effondrement du nombre de syndiqués à peu près partout. Donc l'affaiblissement de ces organisations, évidemment, rend ce travail ou ce projet beaucoup plus compliqué à faire. Là, sur ce point-là, il me semble que Gorz était extrêmement clair. Il ne s'agissait pas du tout de sortir des organisations de défense du travail ou du monde du travail, quelque forme qu'elles puissent prendre. Mais peut-être vous avez, et Dominique et Enzo, quelque chose à ajouter assez rapidement parce que la pendule tourne. Non, ce qu'avait peut-être pas anticipé Gorz, c'est une forme de fragmentation. Et la fragmentation, on l'a à tous les niveaux. On a la fragmentation dans l'échelle des revenus, on a la fragmentation de l'information, on a la fragmentation du monde du travail, etc. Et toutes ces fragmentations, elles rendent effectivement très, très difficile une auto-organisation globale. On la voit émerger que par poche. OK, je veux bien les âmes, mais c'est vraiment des poches et sans grande relation avec le reste. On ne voit pas comment ça peut entraîner le reste. Ça, c'est de l'ordre du fantasme. Et c'est là où on se sent très démuni. C'est-à-dire qu'on est coincé par cette fragmentation. Et cette fragmentation, on l'a vu avec la montée du populisme, elle est une, et on l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, elle est une espèce de défi à ce qu'on maintient encore vaille que vaille, c'est-à-dire de l'édifice classique des démocraties représentatives, qui commence
à se disjoindre par bien des côtés du reste de la société. Et on est là dans ce cas de figure sur lequel, moi, je ne trouve pas dans ce qui existe, si vous voulez, une espèce d'intelligence lumineuse qui nous permettrait de trouver les voies de dépassement. Pour le moment, on est confronté à cette espèce de négativité qui augmente sans qu'on soit dans un schéma hegelien ou post-hegelien, c'est-à-dire marxiste. Enzo, en deux mots. Ce que disait Hannah Arendt et ce que diagnostique aussi Gorn, c'est qu'on est en train de produire une société du travail sans travailleurs. Et que c'est là, ce que dit Dominique, il a tout à fait raison, c'est que ça met la système de solidarité nationale, puisque les droits sociaux sont fondés sur le salariat, les gens sont du salariat, donc ils se sentent des droits, donc ils tombent aussi dans l'arbitraire et dans la précarité. Donc il y a une crise sociale qui se met comme ça, et puis une crise démocratique, parce que quand les gens se sentent à l'extérieur du totem du travail, à l'extérieur de la communauté des travailleurs, et qu'on leur dit que c'est le travail qui donne dignité, qui donne accès aux droits et qui donne un rôle dans la communauté, ben ces gens-là, par réaction ou par effet de bord, ils n'ont aucune raison de jouer les règles du jeu de la vie démocratique et vont challenger non pas le gouvernement aujourd'hui, mais le système en tant que tel. Et donc, ben, tous ces non-travailleurs, ce non-prolétariat qu'on accumule et qu'on produit à grande échelle, en fait, le capitalisme produit comme ça du non-travailleur à grande échelle, ces non-travailleurs-là vont challenger le système démocratique, vont challenger l'état de droit et rentrent dans le Capitole avec des couronnes sur la tête. Et donc, pas ça, ils viennent brûler ce qu'ils ne les reconnaissent plus. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est là où il y a projet politique à bâtir et qui reste encore, à mon avis, à faire devant nous, c'est comment on rattrape et comment on refonde une communauté politique, où est-ce qu'on repositionne le totem pour rassembler la communauté politique autour d'elle, si ce n'est pas le travail. Parce que, ou alors, tel qu'il est défini aujourd'hui, si c'est autre chose, ben, travaillons, c'est pas ça, mais il y a un exercice à faire pour définir collectivement où est-ce qu'on repositionne ce totem, qu'est-ce qui nous donne aujourd'hui les droits d'accès à la dignité, les droits sociaux, qu'est-ce qui nous donne aussi une voix politique pour peser et décider des leaders qui nous représentent. Là, on voit que ça, aujourd'hui, c'est un petit peu mouvant. Bien, merci. Alors, on va passer au dernier texte écrit par Gortz en 2007, qui s'appelle, c'est tout un programme et ça va avec ce que l'on vient de discuter, « La sortie du capitalisme a déjà commencé ». C'est un texte qui est paru donc dans Éco-Rêve, la revue d'écologie révolutionnaire que Gortz avait, à laquelle Gortz a participé à plusieurs reprises. Et le texte a été repris dans Ecologica, donc ce recueil posthume paru en tout début 2008. Donc je laisse la parole à Laure et David pour cette dernière lecture. À la fin de sa vie, Gortz revient sur son histoire, sur l'histoire de son amour avec Dorine. Et en 2004, entre 2004 et 2005, il décide de lui écrire une lettre. Voilà. ils savent l'un comme l'autre que Dorine est condamnée. Et voilà, il décide de rassembler ses archives et d'écrire l'un de ses tout derniers textes que je vais vous lire. La sortie du capitalisme a déjà commencé. La question de la sortie du capitalisme n'a jamais été plus actuelle. Elle se pose en des termes et avec une urgence d'une radicale nouveauté. Par son développement même, le capitalisme a atteint une limite, tant interne qu'externe, qu'il est incapable de dépasser et qui en fait un système qui survit par des subterfuges à la crise de ses catégories fondamentales, le travail, la valeur, le capital. La crise du système se manifeste au niveau macroéconomique aussi bien qu'au niveau microéconomique. Elle s'explique principalement par un bouleversement technoscientifique qui introduit une rupture dans le développement du capitalisme et ruine par ses répercussions la base de son pouvoir et sa capacité de se reproduire. J'essaierai d'analyser cette crise d'abord sous l'angle macroéconomique, ensuite dans ses effets sur le fonctionnement et la gestion des entreprises. L'informatisation et la robotisation ont permis de produire des quantités croissantes de marchandises avec des quantités décroissantes de travail. Le coût du travail par unité de produit ne cesse de diminuer et le prix des produits tend à baisser. Or, plus la quantité de travail pour une production donnée diminue, plus la valeur produite par travailleur, sa productivité, doit augmenter pour que la masse de profit réalisable ne diminue pas. On a donc cet apparent paradoxe que plus la productivité augmente, plus il faut qu'elle augmente encore pour éviter que le volume de profit diminue. La course à la productivité tend ainsi à s'accélérer, les effectifs employés à être réduits, la pression sur les personnels à se durcir, le niveau et la masse des salaires à diminuer. Le système évolue vers une limite interne
où la production et l'investissement dans la production cessent d'être rentables. En Chine, aux Philippines ou au Soudan, les chiffres attestent que cette limite est atteinte. L'accumulation productive de capital productif ne cesse de régresser. Aux États-Unis, les 500 firmes de l'indice Standard & Poor's disposent de 631 milliards de réserves liquides. La moitié des bénéfices des entreprises américaines proviennent d'opérations sur les marchés financiers. En France, l'investissement productif des entreprises du CAC 40 n'augmente pas, même quand leurs bénéfices explosent. La production n'étant plus capable de valoriser l'ensemble des capitaux accumulés, une partie croissante de ceux-ci conserve la forme de capital financier. Une industrie financière se constitue qui ne cesse d'affiner l'art de faire de l'argent en achetant et en ne vendant rien d'autre que diverses formes d'argent. L'argent lui-même est la seule marchandise que l'industrie financière produit par des opérations de plus en plus hasardeuses et de moins en moins maîtrisables sur les marchés financiers. La masse de capital que l'industrie financière draine et gère dépasse de loin la masse de capital que valorise l'économie réelle. Le total des actifs financiers représente 160 000 milliards de dollars, soit 3 à 4 fois le PIB mondial. La valeur de ce capital est purement fictive, et le goodwill est ce sur quoi elle repose. Elle repose également en grande partie sur l'endettement, c'est-à-dire sur des anticipations. La bourse capitalise la croissance future, les profits futurs des entreprises, la hausse future des prix de l'immobilier, les gains que pourront dégager les restructurations, fusions, concentrations, etc. Les cours de la bourse se gonflent de capitaux et de leurs plus-values futures, et les ménages se trouvent incités par les banques à acheter entre autres des actions et des certificats d'investissement immobilier, à accélérer ainsi la hausse des cours, à emprunter à leurs banques des sommes croissantes à mesure qu'augmente leur capital fictif boursier. La capitalisation des anticipations de profit et de croissance entretient l'endettement croissant, alimente l'économie en liquidité due au recyclage bancaire de plus-values fictives et permet aux États-Unis une, entre guillemets, croissance économique qui, fondée sur l'endettement intérieur et extérieur, est de loin le moteur principal de la croissance mondiale, y compris de la croissance chinoise. L'économie réelle devient un appendice des bulles spéculatives entretenues par l'industrie financière. Jusqu'au moment inévitable où les bulles éclatent, entraînant les banques dans des faillites en chaîne, menaçant le système mondial de crédit d'effondrement, l'économie réelle d'une dépression sévère et prolongée. On a beau accuser la spéculation, les paradis fiscaux, l'opacité et le manque de contrôle de l'industrie financière, en particulier les fonds de pension, la menace de dépression, voire d'effondrement qui pèse sur l'économie mondiale n'est pas due au manque de contrôle. Elle est due à l'incapacité du capitalisme de se reproduire. Il ne se perpétue et ne fonctionne que sur des bases fictives, de plus en plus précaires. Prétendre redistribuer par voie d'imposition les plus-values fictives des bulles précipiterait cela même que l'industrie financière cherche à éviter, la dévalorisation de masses gigantesques d'actifs financiers et la faillite du système bancaire. La restructuration écologique ne peut qu'augmenter la crise du système. Il est impossible d'éviter une catastrophe climatique sans rompre radicalement avec les méthodes et la logique économique qui y mènent depuis 150 ans. Si on prolonge la tendance actuelle, le PIB mondial sera multiplié par un facteur 3 ou 4 d'ici à 2050. Or, le rapport du Conseil sur le climat de l'ONU, les émissions de CO2 devront diminuer de 85% jusqu'à cette date pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés au maximum. Au-delà de 2 degrés, les conséquences seront irréversibles et non maîtrisables. La décroissance est donc un impératif de survie, mais elle suppose une autre économie, un autre style de vie, une autre civilisation, d'autres rapports sociaux. En leur absence, l'effondrement ne pourrait être évité qu'à force de restrictions, rationnements, allocations autoritaires de ressources, caractéristiques d'une économie de guerre. La sortie du capitalisme aura donc lieu, d'une façon ou d'une autre, civilisée ou barbare. La question porte seulement sur la forme que cette sortie prendra et sur la cadence à laquelle elle va s'opérer. La forme barbare nous est déjà familière. Elle prévaut dans plusieurs régions du monde, dominées par des chefs de guerre, par le pillage des ruines de la modernité, les massacres et trafic d'êtres humains sur fond de famine. Les trois films Mad Max étaient des récits d'anticipation. Une forme civilisée de la sortie du capitalisme, en revanche, n'est que très rarement envisagée. L'évocation de
de la catastrophe climatique qui menace conduit généralement à envisager un nécessaire changement de mentalité. Mais la nature de ce changement, ses conditions de possibilité, les obstacles à écarter semblent défier l'imagination. Envisager une autre économie, d'autres rapports sociaux, d'autres modes et moyens de production et modes de vie passe par pour irréaliste, comme si la société de la marchandise, du salariat et de l'argent était indépassable. En réalité, une foule d'indices convergents suggère que ce dépassement est déjà amorcé et que les chances d'une sortie civilisée du capitalisme dépendent avant tout de notre capacité à distinguer les tendances et les pratiques qui en annoncent la possibilité. Tout s'oppose dans le système capitaliste à l'autonomie des individus, à leur capacité de réfléchir ensemble à leurs fins communes et à leurs besoins communs, de se concerter sur la meilleure manière d'éliminer les gaspillages, d'économiser les ressources, d'élaborer ensemble, en tant que producteurs et consommateurs, une norme commune du suffisant, de ce que Jacques Delors appelait une abondance frugale. De toute évidence, la rupture avec la tendance au produire plus, consommer plus, et la redéfinition d'un modèle de vie visant à faire plus et mieux avec moins, suppose la rupture avec une civilisation où on ne produit rien de ce qu'on consomme et ne consomme rien de ce qu'on produit, où producteurs et consommateurs sont séparés et où chacun s'oppose à lui-même en tant qu'il est toujours l'un et l'autre à la fois, où tous les besoins et tous les désirs sont rabattus sur le besoin de gagner de l'argent et le désir de gagner plus, où la possibilité de l'autoproduction pour l'autoconsommation semble hors de portée et ridiculement archaïque. À tort. Et pourtant, la dictature sur les besoins perd de sa force. L'emprise que les firmes exercent sur les consommateurs devient plus fragile en dépit de l'explosion des dépenses pour le marketing et la publicité. La tendance à l'autoproduction regagne du terrain en raison du poids croissant qu'ont les contenus immatériels dans la nature des marchandises. Le monopole de l'offre échappe petit à petit au capital. Merci beaucoup pour cette ultime lecture d'un texte d'André Gortz. Alors, je laisse tout de suite la parole à Dominique ou à Enzo s'ils veulent rebondir là-dessus. Oui, très, très rapidement. Merci Antoine. Là, on est vraiment très très proche en fait de la manière dont la question se pose aujourd'hui. Et alors à cette différence près que, en fait, et il en avait moins d'idées, c'est-à-dire on voit aujourd'hui un capitalisme autour de l'information, des réseaux sociaux, qui est florissant en pleine pandémie. On voit un phénomène comme Amazon. Donc là, le problème, c'est pas le rendement inférieur de ceux qui produisent des objets, puisque là, on est dans leur distribution. Il y avait une forme de capitalisme dont il commençait à l'époque à craindre l'émergence. Je me souviens plus, un de ses jeunes amis qui a publié un livre en Angleterre sur tout ce qui est technologie inspirée de la biologie moléculaire. Après, on a les fantasmes transhumanistes qui sont derrière. Il y a malheureusement bien des manières pour un capitalisme outrancier, mais c'est presque un pléonasme, de continuer à se développer, et surtout à une échelle internationale, avec des poches de misère qui vont pouvoir s'accroître. Là, à mon avis, où ça ne marche plus, mais là, lui, il n'a pas plus vu qu'un autre, c'est qu'en fait, là où l'interface risque de devenir extrêmement fragile et pourrait vraiment mettre à bas nos sociétés, c'est tout simplement la production de nourriture. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous fait sortir de la logique capitaliste, si on voit du côté de la permaculture, du côté de l'agroécologie, etc., c'est une révolution beaucoup plus large qui renvoie justement à cette façon de voir la nature que lui voulait pas voir. L'agroécologie, c'est une espèce de synthèse entre, d'un côté, la science des écosystèmes et des pratiques culturales ancestrales. On sait que la permaculture, Holmgren la conçoit comme un mélange et repensé avec une vision holiste entre les savoir-faire des aborigènes d'un côté et puis l'écologie écosystémique de l'autre. Donc, et ça, on voit bien que justement, ça remet au goût du jour à la fois le travail en un sens assez classique, en plus c'est un travail assez dur, mais en même temps, c'est aussi une émergence un peu de la figure du paysan chercheur. Et là, je vous invite à voir le dossier qu'on a fait là sur les low-tech dans la pensée écologique. Il y a un dossier qui va apparaître
apparaître là dans quelques jours sur les plantes, sur le plant terne, c'est-à-dire vraiment, bah, comme on a parlé, de linguistique terne. Et là, on voit bien que ça rejoue des choses que lui n'a pas du tout vues. Qu'effectivement, le fait de concevoir la nature profondément différemment, de sortir des dualismes, ça ouvre aussi un imaginaire social auquel il ne pensait pas. Et pour moi, la fragilité du capitalisme, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est, comment dire, congruent qu'avec un modèle d'agriculture conventionnelle dont on sait, lui, qu'il est condamné par le changement climatique. Et il me fait rigoler, notre ami Gorge, c'est Gérard, on a tellement discuté, le climat, il s'en foutait complètement, c'est marrant qu'il en fasse un tel plat dans ce papier, c'était vraiment pas son souci, mais c'est pas que le climat, c'est autant la biodiversité, etc. C'est-à-dire que l'agriculture conventionnelle, elle nous amène à la ruine, elle n'a aucune résilience face à ce qui arrive. Et c'est là que les choses peuvent se rejouer, et pas simplement dans les âmes, mais de façon beaucoup plus large. En tout cas, c'est un peu un espoir qu'on peut nourrir. Alors, merci à tous les organisateurs pour cette soirée, et merci notamment à nos lecteurs, à toi Antoine et à Enzo, et alors, à etc. Avant de laisser la parole à Enzo pour une réponse, c'est vrai que bon, le texte de Gortz est écrit juste avant la crise de 2008, avant évidemment l'aggravation de la crise climatique, et avant la situation pandémique que l'on vit depuis une année maintenant. Donc, est-ce que, en effet, aujourd'hui, on peut voir peut-être d'autres indices de sortie du capitalisme ? Et je reprends là au bon une question qui a été posée, c'est-à-dire que est-ce que, ben, je la lis, hein, c'est une question d'Yvan Saint-Saulieu, est-ce que les gouvernements ne modèrent pas l'orthodoxie néolibérale en augmentant la dette publique ? Alors ça revient aussi à un point qu'on a traité tout à l'heure sur la question de l'endettement. Et donc dette publique pour distribuer des dettes sociales et économiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un comment, d'un point de vue gortien, d'une certaine manière, comment interpréter ce qui se passe ? Est-ce que c'est une espèce de champ du cygne de la social-démocratie ou d'un keynésianisme un peu dégénéré ? Ou est-ce qu'au contraire, on est en train de voir émerger quelque chose de nouveau ? Enzo ? Ben, il me semble, de ce que je perçois, après chacun peut avoir ses... parce que là, on est plus dans une partie prospective de la discussion. Déjà, une des leçons de la pandémie, c'est que ça réhabilite ce qu'on appelle l'improbable et l'incertitude. Et qu'on peut en effet se dire qu'on est au seuil de quelque chose et qu'on est parti sur une tendance de 10, 15, 20, 30, 20, 40 ans. Une des leçons quand même de 2020 et de 2021, c'est qu'il peut arriver des éléments perturbateurs qui viennent remouliner tous les systèmes, ou en tout cas suspendre, ralentir, mais modifier, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Ce qui vient aussi un peu percuter 2-3 analyses de la collapsologie qui nous disent les courbes à l'appui, que sur 50 ans, on sera dans 50 ans, on se rend compte qu'à chaque fois, ça... Voilà. Donc on a aussi, à mon avis, une des leçons de cette séquence de pandémie, c'est aussi de penser une humilité par rapport à l'histoire, sur est-ce qu'on est à la sortie, est-ce qu'on n'est pas à la sortie, qu'est-ce qui nous attend dans 40 ans. Là, on est sur des choses, à mon avis, on avance un peu à tâtons, même s'il y a des grandes tendances qui se posent évidemment, mais encore, on est sur des choses qui sont un peu plus tâtonnantes que ce qu'on pouvait dire certains collapsologues. Et après, sur la tendance actuelle, il y a d'un côté, j'ai l'impression, dans l'économie politique qui pose un peu les paradigmes de gouvernement, il y a deux grosses idéologies mainstream. Il y a Keynes qui va dire on va relancer par la consommation, et donc en fait on va relancer par en donnant de l'argent aux classes moyennes pour qu'ils aillent remplir leur caddie, ce qui commence à arriver comme petite musique aujourd'hui là, pour nous sortir un peu de la crise sociale de la pandémie. Et il y a la logique un peu néolibérale qui dit non, on ne va pas relancer par la demande, on va relancer par l'offre, on va faciliter la vie des plus riches, des plus productifs, et de fait ça va par un effet ruissellement relancer la machine pour tout le monde. Et ces deux modèles là sont aujourd'hui un peu dans la faillite, parce que dans les deux cas, il s'agit de relancer quelque chose qui n'est plus durable, qui ne repose plus que sur du sable, qui s'effrite ou qui produit, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'exclusion à grande échelle. Donc il y a une théorie politique de l'économie à fonder, qui ne soit pas basée sur une économie de relance, mais sur décaler l'appareil économique de ce qu'il appelle la dictature du besoin. Et ça, il y a une mission pour le politique qui n'est plus non pas de faire croître le PIB ou de faire croître la complexité ou de fluidifier la mondialisation, de toujours participer à augmenter le stock des choses qui sont échangées, mais de freiner, de contenir, de réorienter, de calmer, d'apaiser, de poser aussi d'autres imaginaires et de faire circuler d'autres imaginaires dans la société que l'imaginaire de la pub, que l'imaginaire qu'on peut voir un peu partout. Donc il y a aussi ce travail de repositionnement du politique qui n'est plus une force au service du développement et de l'explosion, qui n'est plus une force thermodynamique, mais qui est au service de ce qu'appelle Georges Bataille une néganthropie, c'est-à-dire qu'il doit freiner un effritement, qu'il doit freiner, qu'il doit contenir pour éviter qu'il y ait une espèce de dispersion, de disparition et de volatilisation de la communauté. Donc voilà, il y a des curseurs de fond qui sont en train de se positionner petit à petit. Et en effet, Gortz, il a écrit, à mon avis, il avait un peu envie de... C'était un peu dans ses derniers écrits, donc il a aussi une espèce de petit enthousiasme de ce moment-là, où il voyait aussi dans la figure du hacker
une figure de libération, de libérateur politique et de pionnier politique très forte, parce que justement le hacker vient casser les systèmes des données, vient casser les algorithmes, vient remettre du bien commun dans des idées d'algorithmes qui sont faits pour gouverner. Donc il voyait une faille dans le système aussi par la figure du hacker. On se rend compte évidemment que la figure du hacker peut empêcher de tourner en rond, le lanceur d'alerte peut empêcher de tourner en rond évidemment, mais que l'économie d'Internet, ça produit l'économie de l'attention. On voit ce que disait Dominique sur les réseaux sociaux tout à l'heure, je ne sais plus si c'est vous Antoine, en fait que notre attention, notre connaissance, notre attention, c'est un marché, qui est un marché qui s'est glissé dans nos yeux, et que là du coup il y a un gisement d'économie, un gisement d'activité, un gisement de relance qui s'est mis dans notre attention, ce que Gross n'a pas forcément pu voir parce qu'il n'a pas vu les grosses relances qu'il y a eu après la crise des subprimes. Voilà, il y a eu à mon avis une espèce d'envie de croire qu'il y avait une espèce de libération qui était imminente. On se rend compte une décennie après quasiment qu'on est encore bien en tension. Ouais. Merci beaucoup Enzo. Donc on arrive maintenant à la fin de ces deux heures de spectacle. J'aimerais juste terminer par quelques commentaires. Il y a un texte de Gortz dont on a peu parlé, surtout que l'on n'a pas lu extensivement. C'est son texte le plus célèbre, l'un des tout derniers qu'il a publié, qui est la lettre AD précisément. Donc cet hommage très émouvant à sa femme, à Doreen Kerr. Qui devait faire l'objet en réalité du spectacle si nous n'étions pas chacun chez nous derrière nos ordinateurs. Et donc je vous invite évidemment à aller voir le spectacle qui est en ligne, qu'on peut trouver sur le site du Théâtre de Vidi, qui est un spectacle extrêmement intéressant qui réhabilite la figure de Doreen, puisque ça c'est un commentaire que l'on fait depuis le début. Quand on parle de Gortz, on parle toujours de Doreen, mais en fait elle n'apparaît jamais, on ne l'entend pas. Et c'est la destinataire de la lettre, mais enfin elle n'y a jamais répondu, en tout cas pas au public qui a acheté la lettre. Et on était ce soir trois mecs pour en parler, donc voilà, heureusement que Laure était là pour lire une partie des textes, mais sinon la présence féminine de cette soirée était limitée, disons, et à regret. Donc là, je vous invite évidemment à aller voir ce spectacle. J'en profite aussi bien sûr pour remercier le Théâtre de Vidi, Vincent Baudrier qui nous a accueillis, même si extramuros d'une certaine manière. Je remercie aussi l'Université de Lausanne et le secteur culturel de l'Université qui a organisé cette collaboration. On espère qu'on pourra continuer de futures collaborations, cette fois-ci en présence. Je remercie bien sûr Dominique et Enzo pour leur contribution, Laure et David pour leur lecture et leur contribution aussi par la même occasion. Et puis je conclurai de deux manières. Premièrement, allons réécouter Kathleen Ferrier chanter Schumann ou Mahler. Et puis d'autre part, cette phrase de Gortz qui je crois résume bien sa pensée lorsqu'il disait qu'il était voué à la contestation. Bien, espérons que nous puissions continuer toutes et tous à être voués à cette contestation. Je vous remercie.